must replenish resources and return here to strike a retaliatory blow. They must be destroyed. Be destroyed. Biological objects do not give up, but it is temporary. Very soon we will tear out the core of the planet. They will not be able to stop us. They must be destroyed. Pam padam papadam papam. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live. Eh, c'était pas prévu, mais Among Us 2, jamais 203. Ah, les gens sont devenus ils sont devenus accro, on va dire ça comme ça. On me voit absolument pas parce que je suis dans le noir. Faut que j'aille changer ça. Je vais aller rejoindre les copains et pour écouter qu'il y a une game. Hop 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 hop, hop. Pourquoi est-ce que tous les gens sont partis? Hein, bizarre. En mode account. Merci, ou... account. And change name. Voilà. Bonsoir. Salut, Mickey. Pourquoi est-ce que tout le monde quitte la room comme ça? Pour changer de pseudo. De pseudo. Alors, c'est... Ah, d'accord. T'inquiète, c'est histoire de pseudo là, c'est vraiment. Ah, d'accord. Ouais, c'est bon, j'ai pu acheter mes trucs. Tu en fais une expérience sociale ce soir. J'ai cru que c'était une licorne, mais c'est une vieille, c'est une vieille glace sur sa tête. Limité, 4K. J'ai mais frérot, t'as même pas. Le mec, t'as pas d'écran 4K. Oui, 4K. J'ai limite un écran 4K avec ce truc. J'étais au repos normalement, les gars, hein, je fais ça. Comment on change de pays là? Tu people là, après. En bas à droite. Oh, 5, 6, en bas à droite. On m'a demandé des gens, je t'ai rapporté des gens. Y'a pas une planète avec un Europe? Non. Ou Asia? J'ai pas dans online déjà. Fais un partage d'écran, Pierre. Ah, je suis en Asie. Ah, oui, voilà. Oui, bah voilà, bah tu mets Europe. Ah, avec des gens. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Raclure en live ou pas? Ils doivent découvrir, je pense. Non, il arrive et on attend de s'en faire une avant qu'il arrive. Ouais, mais qui est-ce qui est. Qui, à part moi, qui est-ce qui est en live? Thomas aussi, il a lancé son live, ok. Thomas Sico, il va pas être content. Pourquoi? Moi j'hésitais à lancer le live. Il a pas le rouge. Ah. Maxime, donne-le. Il va mourir. Y'a encore Xeno qui arrive aussi après. J'ai tous les gens qui arrivent. J'ai une nouvelle quête. C'est quoi la nouvelle quête? Y'a un Tils qui devrait apparaître aussi. Une nouvelle quête? Qui est marqué New Quest, du coup, bah, je sais pas, moi je. Aucune idée. Je sais pas ce que c'est. Je fais quel Cosmic List Cube hein. Il est pas fini. C'est quoi UU, quelqu'un? Bien sûr, aux viewers sur la chaîne, abonnez-vous. Il y a Exam récent qui m'a invité en ami, c'est normal. C'est ça. N'hésitez pas à lâcher votre follow, bien sûr. UU, ok, je préfère Victime en vrai. Bon, alors, il nous manque un stream, c'est ça? C'est incroyable. Oui, je crois.
Il manque une personne, je crois, non? Je mets ça quand je fais Thomas, des games de merde. J'essaie de comprendre. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. C'est compliqué cette histoire. Ça fait longtemps que j'ai pas changé de skin, j'ai toujours été avec ça. Oh, MG, y'a pas de tige, je vais pas mourir T1, c'est bien ça. MG, y'a pas de tige, on va pas le foutre. Ne te tracasse pas, dans 5 minutes, quand il va voir que tout le monde qui a, il va arriver, je t'assure. J'ai dit aux débutants de Focus Tilt. Mais après, on est jeudi ou vendredi? On est jeudi. On est jeudi. Ok, bah c'est bon alors. On serait vendredi, je ne serais pas là. Salut Xeno. Moi non plus, je serais parti me suicider si jamais. Tu es que t'es. Ouais, j'aimerais bien le lancer. Quelqu'un peut lancer au pire juste une game comme ça, on s'en bat les couilles au pire. Ok. Faut tuer qui en premier? Faut tuer 0 secondes. Ah, on a pas on a. Non, non, c'est à dire qu'en gros on peut vote direct. Ah, y'a pas de silix pour Xeno. Cette discussion, c'est là où on peut que parler. Fais gaffe à ce que tu demandes, Xeno. voilà, c'est parti. Bon, il nous manque notre président, hein, mais il va arriver. Déjà. J'étais isolé, je sais pas si c'est une bonne idée, je suis pas sûr. Les games sont pas bien faites, il manque des tâches, je pense. Mais c'est pas grave, pas moi qui m'en occupe ce soir. Hop. Sept. 777. Oh bien ça. Oh mon chiffre préféré. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est Mika. C'est Mika. Oh là là. Je sais, tu as report le rose et je sais où il est dans le spécimen, non? Attends, non, il est pas dans le spécimen. Il y a 3 morts. Il est où? Pas loin. je peux savoir où vous êtes exactement. Ben moi je sors de spécimen et je vais rentrer dans admin et il était juste à côté de moi dans spécimen quand j'ai commencé mon Simon. Donc toi, qui parle là, c'est Mika. C'est Mika. Ok, c'est Mike, c'est ça? Oui, c'est ouais. Ça. Ok. Moi du coup c'est là où j'ai trouvé le cœur, j'ai trouvé admin à la porte, je pouvais pas reporter avant que la porte est sourde. Il était devant moi dans le sas, je suis derrière lui, j'avais rentré dans le sas, il est mort dans le sas, il vient de mourir. Ça, parce que moi j'étais à admin là, j'étais sur la table d'admin, j'ai rien vu. T'étais sur la table d'admin, le corps il était à la porte entre... Là je commençais à partir. Spécimen genre. Intérieur ou extérieur? Voilà. Vraiment au niveau de la porte. Si je peux corroborer, je suis derrière le sas est fermé, il y a quelqu'un dans le sas, la porte vient de s'ouvrir, il y a eu report. Il reporte le rose qui était dans le sas, il y a quelqu'un qui l'a tué dans le sas. Donc soit l'imposteur est encore là, vous le voyez pas, soit c'est Gérufray, soit c'est le Rixo. Donc le kill est dans le sas? Oui, le kill est dans le sas. Ok, donc c'est normal que je le vois pas alors. Moi j'ai pas vu, donc j'ai vu personne d'autre. T'es sûr que t'as pas tué et report sans le faire exprès, mon cher Géfuré? C'est un canadien. Non, je pouvais pas report avant tant que j'avais pas ouvert la porte. Du coup c'est pour ça que la porte est s'ouvre, elle se ferme, pour ensuite que je puisse l'ouvrir au-dessus. J'ai vu qui? J'ai vu Alpha qui a fait la radio, parce que j'y arrive pas. Oui, c'est qui était avec moi à la radio? Il y en avait un troisième. J'étais radio, je sais pas faire la radio, je suis désolé. Je suis bloqué sur la radio, je sais pas s'il faut que je m'enlève. Ah, non, en fait, c'est une alerte, et les alertes, les autres peuvent les ouvrir aussi, c'est comme les portes. Et du coup, pendant que t'essayais de la faire, t'as sûrement pas réussi, mais du coup, le Rixo il l'a fait. Moi j'ai quand même une question. J'ai fait réacteur de gauche si jamais. Quand les réacteurs se lancent, je suis tout seul dans la bas, je m'inquiète. Là dans la bas avec moi, il y a donc Maxime et il y a Géfuret. Géfuret, tu nous suis pas spécimen, tu vas admin, c'est ça? Non, attends, j'ai fait labo, ensuite je suis parti faire le scanner, il y a un mec qui m'a arrêté au scanner, après il est reparti, et ensuite je suis descendu spécimen. Ouais, c'est moi. C'est là que je t'ai vu spécimen en train de faire ta quête, et après ouais. Monté à la mine, il y avait le cadavre. Donc, t'étais devant moi?
Oui, donc bon, tu peux me save à 100% du coup. Oui, je sais, t'es en train de faire ta quête. Voilà. Le kill pour revenir. Ben je peux surtout pas avoir fait le kill si je suis derrière toi. Bon, moi je peux save Kalfa parce que du coup je l'ai vu radio, je l'ai vu faire sa node au-dessus de radio et ouais. J'étais gauche toute la game. Rixo, t'es admin qui est à côté d'un cam. Tu vois donc. Quoi? Je sais pas s'il aurait fait ce kill là. Je pense pas que le Rixo ait fait ça. Je pense vraiment qu'il était sur admin et quelqu'un a tué à côté de lui. C'est fort possible. Ouais, mais qui? Ben, il reste toi, Xeno ou Alpha, hein. Pour moi c'est un de vous trois alors. Parce que là on a deux, il faut voter, alors, on ça, est 6 avec 2. Je sais ce que je veux dire mais okay, je peux donner mon passion, trouve ça chaud que ce soit Alpha quand même. Merci Xeno. Pas Alpha, c'est... Vas-y Xeno. Alors, moi dès le début, j'avais aucune tâche à Navette, donc je suis descendu directement, je voulais aller à la labo faire la foreuse. Ouais. Juste avant que j'entre, il y avait l'alerte, donc j'ai fait l'alerte pour le réacteur droit. Ensuite, je suis allé faire la foreuse, là, les quatre boutons appuyés. Mm-hmm. Après, j'ai fait les échantillons. J'ai voulu aller voir s'il y avait quelqu'un. Ah, c'est toi qui as regardé. C'est toi qui as vu blanc au scan alors. Exact. Je suis désolé, il reste 20 secondes. Ensuite, je suis ressorti et je suis allé à Electrical pour ouvrir les portes. Et ensuite, et au moment de. J'en ai aucune idée. 5 secondes avant l'heure. J'ai furé 100% safe et moi aussi, c'est tout ce que je fais. Je suis au CAM et autour de admin, j'ai vu blanc. Alpha 100% safe. Et que temps, je crois. Moi, j'ai voté comme ça. Oh, quoi ? Qui me ment là ? Il y a un problème. Ah, Thomas est prêt, il nous rejoindra juste après. Ouais, mais Thomas, t'inquiète, ça va aller vite parce que vu la vitesse des kills, à mon avis, le cooldown il doit pas être très haut. Je vais le montrer. Ce qui me rend suspect. Alors, je vais dire quelque chose. Report à 5, c'est un comportement de crewmate. Oui, mais on l'avait dit que c'était pas ça. Hein. Oui, voilà, on a surtout dit que c'était pas lui. Déjà. Deuxièmement, j'ai furé, comme j'ai dit, sur le kill, là et là. Moi, je suis désolé. Ça va être un argument hors jeu, mais c'est toi qui as fait la room, le Rixo. Oui. Tu connais par cœur le nom, les secondes de l'alerte. De combien de temps on a pour mettre sur le buzzer, c'est bizarre, l'alerte s'est mis vraiment mais 3 ou 2 secondes avant pour qu'on ait aucune chance de... Alors, je vais dire un truc stupide, jamais. L'imposteur peut regarder le buzzer. Il y avait personne au buzzer, Kota, il y avait personne au buzzer, il y avait moi qui étais au buzzer tout seul, qui attendait pour appuyer dessus, ça s'est lancé à 3 secondes de la fin du compte du buzzer. Mika, c'est une bonne théorie, mais non, je ne connais pas ces timings. Hein. Je l'ai fait, mais genre j'ai gardé les rooms d'avant. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je regarde spécifiquement les rooms. Et franchement, non. C'est une théorie, mais Alpha, d'abord, j'aimerais bien savoir où est le corps. Vas-y, Alpha. Il est littéralement au-dessus d'Electric Hall, à côté du truc là où c'est ouf. pas loin de... J'avais pas fini, mais c'est pas grave. À l'alerte. La petite tower ou à l'alerte, ouais. Vas-y, fini Théo, excuse-moi. Je pensais que t'avais fini. Si jamais, même quand c'est moi qui fais la room ou pas, je regarde le buzzer quand je suis imposteur, je l'ai déjà fait des milliers de fois. Mm-hmm. Je regarde le buzzer pour savoir comment on appelle ça ? Le cooldown en gros. Mm-hmm. Et si jamais, moi je le mets vraiment les deux dernières secondes. Hein. Mm-hmm. Bon, il y a écrit 2 secondes en fait sur le buzzer. Mm-hmm. Ouais, mais là, le problème c'est que Alpha est safe, tu te safe là-dessus, et moi je suis safe sur le truc que j'ai fait vraiment spécimen en tour A avec les 3 kills, avec Jéfuré qui est avec moi. Et Maxime qui est parti le premier entre nous trois spécimens. Là, je peux dire, mais c'est pas. On le safe maintenant parce qu'il vient de report. Je suis parti avec Quétin sur la droite. Voilà, déjà vous êtes où ? Parce qu'on sait où est le corps. Mm-hmm. Ben, je te dis, je suis resté au buzzer, j'ai pas bougé. J'attends pour appuyer. Et Fauvet, c'est bon ? Moi, j'étais en train d'aller faire les trucs là pour enlever le. Vas-y, j'arrive pas à parler, je connais pas la map là. Je suis au niveau d'alerte. D'Electrical là pour aller faire l'alerte. Ouais, voilà, c'est ça. Là, il y a le corps. Donc, t'es le plus proche.
Bah ouais, mais après. Ouais, mais Alpha aussi, mais je vois pas. Je vois pas. À la base, j'aurais des mêmes, je crois que Mike il était AFK parce qu'il attendait au buzzer. Non, non, j'attendais pas. Donc, déjà, du coup, Mika est safe. Mm-hmm. Ensuite, moi j'étais en train de faire mes deux tasks bureau, à côté de bureau. Ensuite, j'ai vu qu'il était au buzzer et quand il y a eu l'alerte. Mika est safe, mais c'est vrai parce que Alpha report, c'est pas lui ni le round d'avant ni le round de là. Kétain et moi on est ensemble. Mika est au buzzer. Mika, si t'es vraiment au buzzer, c'est GFR. Si j'ai furé à... Après, il y a deux imposteurs. Ouais, il y a deux imposteurs, vous êtes en train de vous save tous les deux là, si j'ai... Oui, voilà. C'est vrai. Oh, j'en sais rien. Mais ça vaut pour Mika et Jeffrey. Hein. Mm-hmm. Je suis perdu dans ce qui se passe. Alpha, c'est sûr à 100% il est safe. Je veux pas vous influencer, moi je vais faire ce que je pense être le vote safe. Bon courage. Je vais... Oui, parce après, que... Après, 40 secondes, vous pouvez continuer à délibérer, hein, mais pour moi, de toute façon, il n'y a pas 50 issues à la game. Là, de toute façon, on peut pas le savoir, on peut pas... Là, on était mindfuck par quelqu'un, mais je pense qu'on n'est pas par la bonne personne. Ouais. Parce que je pense que... Ouais. Moi, j'aurais dit un duo Rixo Kyota, mais j'ai rien pour le prouver. C'est trop mal. C'est fou, mec, on se serait entretenu. Tu vois. je le savais. Oh, la première game, putain. Ah, il m'a quand même donné des infos, hein. Ouais, je sais, mais le problème, c'est que je n'ai rien précisément contre eux. Ouais. Attends, en fait, je veux pas... Je sais pas, c'était qui? C'était Rixo. Rixo, est-ce que tu as vent? Quand? Bon, quand, au tout début, le premier kill que tu as fait. Non. Putain, c'est non. Chelou, parce que, je te jure, ah, genre... Ah, si, ouais. Si, je t'ai buté, oui. Je suis allé prendre le... Ouais, la dans, là, dans un pas. Vieux trou de vision, dans un vieux trou de vision, j'aurais dû... je te vois pas passer par le couloir, et genre, je rentre dans les... Dans j'aurais dû suivre mon instinct. Genre, je le vois descendre, mais tout droit de l'arbre. Genre, tout droit, mais vraiment tout droit. C'est toi qui as mis l'alerte, enfoiré. Non, mais non, mais je suis d'abord... Non, j'ai pris le couloir, je suis allé à l'arbre, j'ai fait semblant de faire une quête. Je suis redescendu, j'ai vu que t'étais j'ai vu que t'étais là, je t'ai buté, je suis reparti à l'arbre, j'ai pas dit. Mais oui, mais... En plus. Pour prendre le cooldown du bouton, et si tu veux, comme ça stop mon cooldown de kill, je regarde tout le temps, genre... Une demi-seconde, bam bam, c'est tout. Ouais, mais le truc, okay, le truc justement, même si c'est ma théorie pas juste, je vois pas les deux qui sont un peu plus nouveaux faire le timing aussi boche, donc pour moi ça pouvait être vous, mais je peux pas vous accuser là-dessus, c'est un truc hors gameplay, tu vois. Je le sais, je le savais dans le fond, parce que j'ai directement accusé Théo, et je sais dans le fond, le duo, il reste plus que votre duo, mais dans le fond, je peux pas vous accuser précisément, donc ça se fait pas. Tu vois, je t'avais dit qu'il viendrait sans prévenir, il est là, regarde. Donc, bien évidemment, moi j'ai observé la partie, hein. Moi je vous ai commenté, c'était parfait. Ça se passera toujours très bien. Bonsoir pour commencer, et c'est à dire que j'en ai entendu certains pendant le début de votre dernière. Ouais, parce qu'il est sur mon live. Qu'est-ce que vous pensez de ma future emote Twitch? Il y en a, ils vont mourir vite, bien, moi je vous le dis. Tils. Moi je. Contrairement à. Allez dans le code des discussions. Dites-moi ce que vous pensez de ma future emote Twitch. Les deux qui viennent de gagner, dans quoi là? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ils n'auront plus de game. Bon, ben, pas... Allez, Magnus, ouais. Merci beaucoup de faire. Merci pour cette magnifique capture d'écran, mon cher Thomas. Toujours pour me mettre en valeur. Ah, Krios aussi est là. Héraclure qui est là. On est 14, ça va être la merde. Salut. Il va falloir mettre 3 impôts, hein, 14. Ah la vache. Dil, c'était moi que j'ai rien dit, moi. Hein, Tils? T'es moi que j'ai rien dit, hein, c'est pas... Tils? À 15 sur Skeld. Tils? À 15 sur... Oh, le vaisseau qui va tomber tout seul. T'es moi que j'ai rien dit, moi. T'as dit un petit truc. J'ai dit quoi? Je me rappelle plus. J'ai dit rien dit. C'est une raison de tester. Y'a dit Feur. Ah non, j'ai dit que pour une fois, Tils c'est pas là, je serais pas morté. Hein. Et c'est pas un truc grave, ouais. C'est la vérité, tu me tues tout le temps, Théa, quand t'es un peu. C'est pas, tu vas à des endroits aussi, tu te demandes à te faire tuer. Tu viens me chercher aussi. Hein. Je tiens à ce que tu prennes en considération que je t'ai pas tué T1 la game d'avant. Pourtant, j'étais longtemps à côté ouais, de toi, ouais, je ouais, mais j'ai pas fait. Ah, c'est bon, c'est Rixo, on peut skip. Non, j'ai mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mes chers camarades, j'affirmerai que j'ai croisé monsieur Jeffurey
dans le laboratoire avant de plonger dans le truc pour aller à Spécimen, et j'ai trouvé le cadavre de monsieur Rixo ici décédé sur la table. Donc Jouffrey, quelle est votre défense? Moi j'ai juste une chose à dire. J'ai quitté la beau là Mais Ça ressemble beaucoup à un règlement de compte politique, dans le doute j'ai voté Thomas. Mais vous êtes là, vous. Alors comment c'est bien dit. Il m'a buté en premier la dernière fois aussi, donc... Oh, ça va pas recommencer comme hier, quand même. Je sais pas là... Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait mon scan et qu'il y avait Rixo qui attendait pour faire le sien, au moment où il me semble que j'avais aussi vu... Quand je pars, je vois Jeffrey à rentrer dans la boîte, et puis j'ai tout. Dans les gens qui étaient par là, j'avais vu Xenomorph qui venait de sortir de laboratoire aussi. Donc pour moi, c'est soit Jufrey, soit Xenomorph. Mais par rapport aux positions, et vu que le sas s'est fermé juste devant moi, puis ensuite j'ai pu le rouvrir, logiquement c'est Jufrey qui du coup a fait donc le kill. Il est dans le sas, ouais. Laboratoire. Ouais. Si c'est bien le bon imposteur, on avait tout le deuxième à quitter. Xenomorph qui est passé juste derrière. Cryos c'est là aussi. Oh ça va être. Oh ça va être la. Oh là 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 là. On va être 14, ça va être insupportable. J'ai juste une chose à dire. Hein. Oui. Ça se voit que j'ai beaucoup trop joué à Goose Goose parce que j'étais comme un con devant la porte en attendant qu'elle s'ouvre. Oh bah, tu peux encore attendre longtemps là. Non mais voilà, j'étais dans la porte. Attends, le blanc, c'est quel pseudo sur Discord? Cryos, il nous avait manqué quand même. Le blanc sur Discord, c'est bonne idée, bonne question. Nishobi. Ah, et bizarrement, je prends deux votes. Ah, mais il sort quand même. Coïncidence, je ne crois pas. Je rappelle que la deuxième imposteur peut quitter pour relancer une game si vous voulez. Et vu que c'est Thomas, il la fera pas. Non, je connais. Jeffrey, je me suis permis de te rename. Ah, ouais, t'as bien fait. Oula, Cryos. Ah, oula, Cryos, reviens au jeu. Ta vie privée c'est nous regarde pas, on est en stream, c'est dégueulasse. Si t'es intéressé pour ça, hésite pas à m'inviter. Je parle de la plante qui me suit, voyons. Je suis pas déçu. Ah, la belle. Attention, Thomas. Que, vous n'avez pas honte. Tu veux faire des promotions en dessous de ta table à Cryos? Je tiens, mais je le savais. Ouah. Imaginez, à 12, on perd de l'alerte. Non, il y a moins d'utilisateurs dans la game, ça marchera pas. Ah non, je peux pas. Double info. Je peux pas me mettre dedans, moi je fais jamais les alertes, c'est vrai. Moi j'adore me mettre dedans. Hein, allô? Pas dans moi parce que c'est l'inverse quand il est avec moi. Dentiste? Dentiste. C'est en live, hein. C'est les deux en live les pires en fait. J'étais hors pot, c'est de votre faute s'il m'arrive quelque chose ce soir, d'accord? Non, c'est quand j'ai une mauvaise en week-end. Ouais, y'a beaucoup de chance. Non, mon garçon, j'ai 10 ans de plus d'expérience que toi, c'est moi qui ai une mauvaise influence sur les jeunes. Hein. Waouh! Ok, c'est, c'est Xeno et Papy, c'est pas grave, on skip, on va faire les tâches. Waouh, c'est qui le buisson là? Non, je vous aime fort. Monsieur, vous on êtes va... buté Mika là, allez! C'est Cryos là, allez, Cryos là, allez, tu dégages. Non, tu viens de le tuer devant moi. Non, je fais mes fioles là-haut. Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? J'allais rentrer dans le sas et tu le tues juste avant. Oui, mais tu t'es trompé de bouton, t'as appuyé sur. Au lieu d'appuyer sur le bouton. Ah, mais. T'as appuyé sur ton couteau. Voilà pourquoi il ouvrait pas les portes, il faisait des alertes. Je comprends mieux. Donc ça. Ça te ressemble pas trop de voter direct comme ça, Mika. Ça joue entre qui? Entre Cryos et. Cryos. J'ai voté Mika, perso. Non, mais si tu votes Cryos, c'est pas bon, tu votes Maskim, t'as le deuxième, hein. Puisque le premier, t'es sûr, Thomas. S'il vous plaît, j'ai des infos importantes. Ok, hey. Tard, tout le monde a voté. Ah, oh, t'es toujours vivant, toi? Ouais, mais c'est pas grave. C'est sûr ce qu'il est survécu, non? Ouais, j'avoue. Bah, ça sera pour la prochaine partie. Du coup, les tariportes ou labo? Ouais, au sas là. Ah, j'ai bien les deux corps sont labo? Je sais pas, j'ai vu que celui qui était avec Cryos là. Et il y avait qui d'autre labo? Je sais pas, il y en a qui faisait le scanner tout à droite là-bas. C'est moi, je crois. Donc c'est Mika, Maxime et. Ah, je vois pas où je suis sur la carte. Attends, probablement. Ah, si, oui, c'est moi qui fais le scan. Et le mort.
Donc c'est on voit la carte. 4, qui... Zex, t'es où? Moi Zex, c'est que t'as été à Boiler Room et O2. Ok, j'ai mis 3 points O2, donc c'est vous 3. T'as dit nous deux, t'as dit vous trois, je suis perdu. Ouais, moi aussi, là, j'ai pas tout compris. Bah, qui est la troisième personne dit... Bah, celui-là qui a dit deux prénoms, c'est l'autre, c'est le troisième. Bah, ouais. Non, j'ai dit, je vais parler de moi la troisième personne parce que je suis un connard. Je s'appelle Groot. Ah, du coup, on est deux à se revendiquer au deux. Il y a trois points au deux. J'ai vu trois points. Quand dans la vente, bruh. Qui est au deux? Bah, Quentin et moi. C'est le problème. Excuse-moi. C'est qui le troisième? Ezex. Ezex, ok. Et Alpha, t'es où? Pas de troisième homme. Moi, je suis à gauche d'administration, là, dans le petit sas. Ok. À gauche d'admin. Ok, votez Alpha, pour moi. Et Thomas, t'es où? Hein? Moi, je suis... je viens de rentrer dans... Je viens d'y rentrer. Je viens de rentrer dans O2 vers Choufri. Tu viens de par la gauche, t'étais dans la Pampa, alors, Alpha? Je reviens parce que j'étais avec des trous du cul. Ouais, t'es passé par la Pampa, ok. Ouais, Thomas, excuse-moi, Thomas, t'étais où? On dit pas des trous du cul, on est des fils de parents, hein, attention. Je sais pas, il y avait des gens, Thomas, ils étaient tous mal sapés là. Thomas, enfin, il était pas loin de storage, il est sorti de storage quand je suis parti à labo, donc il doit pas être loin de storage. Je pense qu'il faisait ses bidons. L'autre corps. Ouais, la après, question entre... que je me pose, c'est juste pour quand on storage, tu sais où c'est. Moi, la question que je me pose, c'est qu'il n'y a pas encore deux imposteurs, on n'a pas sorti Jérufré pour rien là. Jérufré pour rien. Bah, c'est ce que j'étais en train de me poser. C'est pour ça que j'essaye de réfléchir un peu parce que sinon, c'est perdu. Hein. Ou alors le kill cooldown est à combien, Théo? 37,5. 37,5. Ouais, non, c'est pas quelqu'un qui a fait deux. C'est pas quelqu'un qui a fait deux kills. C'est deux imposteurs, c'est-à-dire qu'on a viré Jérufré pour rien. Thomas. Ah, mais il y a deux morts. Ben oui. Ah oui. Oh putain, non, mais moi j'étais encore sur le signalement du mort du décor. Ouais, Cryos pour ceux qui le... Il y a deux morts. Bah oui, il y a Malgadou. Il y a Malgadou. Jeffrey c'est pas défendu si tu veux. Ah oui, il y a mais un oui. qui est mort là. Oh, le rose. 37,5, y'a pas le temps de faire deux kills, c'est pas le possible. Kill, sur le kill de l'autre, que n'a pas trouvé Maxime, c'est soit Alpha. Soit Thomas. Ou il y a le mode des amoureux, ou j'ai rien suivi. Hein. Moi, sur, ou alors. Sur le premier kill, je suis safe. Putain, si Cryos il a fait les deux kills, il est fort. Moi, j'ai reporté un kill au début, donc. Oh, il a fait les deux kills. Oh, il est trop fort. Il a fait les deux kills, mais comment il a fait avec 37,5? Sauf que le deuxième kill, il était pas prêt. Bah bravo. 37,5 à 14, 15. J'ai appuyé sur 2. C'est des Cryos, c'est blanc. Vous pouvez rejoindre la game. Sur 1, en fait. Worship. Oh oui, go airship. Le kill cooldown là, il est beaucoup trop long. On met 3 impôts. On est 25 là, go airship. Ouais. Il y a la game d'avant-tif qui m'a dit ouais, il est trop haut. J'ai pris mon orange, c'est quoi ce bordel? Ouais, mais on a pris 4 joueurs en... Ouais, mais j'adore la vie. Est-ce qu'on est pas 14 là? Voilà. C'est Xeno. Raclure, tu peux rejoindre la game? Descendre le temps mort urgence à 25 par contre. Mon cher Cryos, juste un mot à dire. Excuse-moi. Oui, voilà, vous le méritez. Excuse-moi. Il y a tout le monde là. Ouais, on joue déjà. Là, il y a les 13 personnes. On est pas censé être 14. Est-ce que tu veux bien mettre 3 impôts, mon cher Théo? Est-ce que j'ai vraiment envie? Venez, on met plutôt 8 anges gardiens. Non, mais avec 13 personnes, tu peux pas mettre 2 impôts. Je rigole. Avec 13 personnes, tu dois mettre. Si tu changes pas le cooldown, c'est un round. Hein. Bah, c'est un jouable pour les imposteurs à 2 contre 13. Non, je recommence. Si tu changes pas le cooldown quand t'ajoutes un imposteur, oui. C'est 2 rounds. Bon, je crache. Oui, évidemment, mais tu mets vraiment très gros. Tu mets très gros avec 3 imposteurs, ouais. Ça vous va là? De toute façon, t'auras quand même des parties différentes. Si tu vas à trio Quetin, Tils, moi, et ou à trio Xeno, Raclure, je sais pas, troisième, ce sera pas la même vitesse de kill, tu vois, c'est logique. Faut rechanger l'emergency cooldown. Nous sommes le buisson. C'est le buisson dissident. Ah, c'est dégueu. Oui. Parfait. Nous sommes l'écologie, et nous sommes Greta Thunberg. Alors je sais pas si c'est pas mais ça sonne très sale ce que tu viens de dire. On rappelle qu'elle n'est pas encore majeure. J'ai fait une game de LOL avec Zyra tout à l'heure, j'ai fait un RP Greta Thunberg, j'ai perdu la game. Jeff t'es mute. Oh là 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 là. Oh, scientifique.
Voilà, il y a trop de gens. Ouais, il y a un kill direct. Le kill, il peut pas être long. Ah, il est là. Pour Maxime. Hop, j'ai quitte à mourir, j'ai vu le kill en direct à O2 sur ce kill. Tous ceux qui étaient à gauche avec moi, ils étaient safe. Le kill, il est à la fusée. Et monsieur le président, j'aimerais bien une explication. Vous revenez oui de cet endroit-là. Alors actuellement, moi, je suis en train de faire mes le truc du carburant là. Ah oui, donc non, c'est possible, c'est faisable, c'est faisable. Vous n'êtes pas sur le kill. La drill dans le labo? Non, drill labo. Alors ouais, sur ce kill là, il y en a qu'un, en tout cas c'est pas Cryos parce qu'on a refusé. Le kill a 12 secondes. Il y a beaucoup de monde en haut de. J'ai furé et parti du scan, il me semble. Oui. Du coup. T'es parti spécimen? Ouais. Attends, j'arrive pas à me souvenir si j'ai vu le sas s'ouvrir. Ouais, non, mais on est tous les deux à spécimen. Moi, je pense... Okay. Là, on est en train de partir vers... Je pense que ceux qui sont spécimens sont safe aussi. Je pense que le kill a été fait et quelqu'un n'est pas rentré dans le labo et est revenu vers O2 pour se safe. Je reprends. Revenu vers O2, mais en fait, on est genre 3 dans O2 tout de suite. Oui, c'est toi, moi. Ça peut nous sortir 3 personnes. Toi, moi et quelqu'un d'autre. Comment tu fais? Moi, je suis labo aussi, jamais. Je viens juste de sortir de mon scan. Si comment je ripote? Tu veux que j'explique? Je report parce que le kill a le report parce que le kill a été fait rapidement. Je le vois grâce à mon rôle et comme le kill est rapidement, il peut être que au-dessus de la map. Il y a personne qui a le temps d'aller faire un kill aussi vite au bas de la map. Donc il pouvait être que O2, storage, dropship et un labo. Ben j'ai fait dropship, storage. Là que j'ai croisé Thomas, il y avait pas de kill. J'arrive labo, fusée, il est là. Ok. Bah, deux secondes, je laisse parler les gens. Merci, Tim. Ou alors tu mens sur ton rôle et c'est toi qui l'a kill self. Parce que j'ai pas regardé Vitals. Attends. Laisse pas parler. Laissez parler, Tix, s'il vous plaît. Laisse-moi, s'il vous plaît. Ouais, n'écoutez pas, on m'accuse de self-report là. Quand la partie a commencé, je t'ai vu partir à labo, le Rixo. Ouais, avec Cryos, on arrache le spécimen. Moi, quand les lights se sont activés, j'ai fait demi-tour. Ils se sont remis vite. Du coup. J'étais arrivé juste en tout storage, je suis descendu à com et ça reporte, j'étais dans com encore. Ok. J'ai pas rêvé, ça m'accusait de self report. Non, parce que personne a regardé les vitals. Genre on a aucune info vitals, ouais. Mais bah... c'est un early kill, ça peut être. C'est qui la personne à admin qui a ouvert ça, le sas? Moi je pense que c'est pas tous ceux qui sont à gauche, ils sont safe pour moi. C'est qui la personne à admin qui a ouvert le sas? Bah non, puisqu'en fait il pourrait y avoir après, le deuxième impôt parmi les... Parmi c'est kill vent, un kill vent c'est toujours possible. Il y a quelqu'un à admin. Je crois que c'est un impôt, il te le dira pas, je pense qu'il a vent admin. Ok. Il y a beaucoup de chances qu'il y a un impôt qui a vent admin. Et parce que le sas c'est ouvert en fait, donc... Vas-y Xeno. Il y a combien d'ingénieurs? Deux ou un. De combien d'ingénieurs? Il y en a qu'un, il y a un scientifique. Un seul? Ouais. Ok. Alors, j'ai une information à donner. Dis-moi. Malgadoun est soit ingénieur, soit imposteur. Moi, là, moi, moi ça t'aurais pas dû le dire. Tu l'as. Parce que s'il est ingénieur, il est mort direct. Tu l'as vu, Vent? C'est un truc qu'il faut garder pour soi, ça. Oui, mais il y a toujours un métamorphe, c'est vrai, ça. Devant tout le monde, ah ouais, mais l'information, le problème, c'est que comme je vais crever dans l'information... Il a pas tort, Tix, hein. Il a pas tort, hein. Non, mais ça sert à rien, en vrai, parce que il va mourir. Autant le bannir, là. Un imposteur va pas vendre devant toi.
Si ouais, ça te servira que si jamais tu vois quelqu'un vent et qu'il est mort au prochain tour, un imposteur pourra pas dire j'étais ingénieur, puisque maintenant on sait que c'était lui l'ingénieur qui sera mort. C'est pas faux. Un imposteur, c'est bête de le tuer de toute façon. C'est vrai. Parce que ça le rend. Tu vois, c'est moi qui suis plus en dangereux, dans danger, vu que j'ai révélé mon rôle qui a permis d'avoir les infos sur le film. Plus moi qui suis en danger que Papy là. Donc, so long les gars. Pas la mort. Toujours pas de mort. Plus que des quêtes à O2 et à la bo. Pas de kill. Deadload. On met les coms pour pas voir que j'ai. Allez, ouais. Il me suit depuis tout à l'heure. Il y a que t'un dedans, j'ai vu. Bon, je suis plus là, les gars. À vous de faire. Je vais au moins finir mes tâches comme ça. On est bon. Papa la papa. Kill minimum, voire 4. Ouais. Il y a de carnage, là. Kill près, on avait perdu. Vous étiez où? Spécimen avec Thomas. Ouais. En plus, on t'a croisé. J'allais au light. On vient de te croiser. Calme, je. Mais me dites pas ça, c'est Turbo Sus en fait. Bah, justement. Oui, c'est non, fais vraiment pas le malin. En fait, je vois deux kills. Je vois Alpha et je sais plus qui est mort. Je me dis, je regarde ta admin. Il y avait deux dans admin. Je vais deux dans spécimen. Je vais dans spécimen. Je croise deux personnes. Je me rappelle même plus qui c'était. Vous auriez mieux fait de vous taire. Je finis. Non mais me dis pas ça. Il y a trois imposteurs. Tu peux te save ton pote si tu veux. Je finis. J'arrive dans spécimen. Ok, il y a pas de souci. Il y a rien. Je me dis bon, ils sont safe. Sauf qu'ensuite, je remonte dans le couloir. Je croise un mec. Je crois que c'est Krios parce qu'il avait sa tête. Et effectivement un spécimen. Voilà, et juste là il y avait le cadavre. Et bizarrement, c'est les trois mecs du gouvernement à gauche. Je pense que c'est un coup monté, monsieur. Vous êtes contre le gouvernement. Cher Thomas, je vois pas pourquoi que t'as un report alors qu'un kill. Cher Thomas, tout ce qu'on dit, c'est pas très bien. Malgré être ingénieur. On en veut à ma personne. Moi j'ai été Il y a une chose quand même très suspecte venant de monsieur Quetin. Il y a une alerte électrique. Il fuit l'alerte électrique. Pourquoi je fuis l'alerte électrique, mon grand? Parce que je vois sur les vehicles qu'il y a deux morts et je cherche les cadavres. Parce qu'il y a trois imposteurs, ça va très vite une game. Et je les ai trouvés. Et par contre, je ne t'avais pas vu. Le kill. En fait, c'est pas possible. Sauf si vous avez vu quelqu'un rentrer derrière vous et repartir. C'est pas logique. On a vu personne rentrer. On était seul. Après, il y avait eu la. On était déjà à laboratoire et on venait de rentrer vers Spécimen. Il y avait déjà l'alerte radio. Qui a mis un bon petit moment à être fait, donc je pense que soit c'est un bon gros bad timing, soit tu essayes de nous. Tombé sur combien de corps que t'as J'en ai trouvé qu'un seul, les lights étaient éteintes.
J'ai pas mon bouton report parce que je suis tombé sur Kyros en fait. Non, en fait, je suis tombé sur quelqu'un, je voulais pas mourir, j'ai pas mon bouton en fait. J'ai juste une question pour Kakotin. Ah merde, j'ai voté, j'ai furé. Le kill. Attends, je vous pose une question. Putain, merde. Le kill est où exactement? Dans le couloir qui va de labo à spécimen. C'est ça. Alors, pour expliquer, je vais vous franchir, ça peut très bien être un van kill parce qu'avec Thomas, on est resté facilement une minute. Mais van kill de quoi? Il n'y a pas de van dans non. Attends, je souligne un truc, mais généralement, Tilx, il n'est pas trop du genre à voter direct, surtout avec un quétin qui le suit. Comme ouais, non, moi, juste avant, on a été les deux derniers. Ce qu'il rend seul, c'est que quétin n'aurait jamais. De toute façon, ça écoute pas. Donc moi, mais Kéta ne reporterait pas alors qu'un kill et c'est fini. Genre, s'il y a les 3 impostes. Si jamais, juste Tilk, t'as voté pour. Les gars, écoutez-vous, s'il vous plaît. Il y en a 2-3 qui essayent de prendre la parole depuis tout à l'heure. Et du coup, j'ai fini mes quêtes spécimens. Si jamais, j'étais redescendu d'administration. Là, j'étais à la chaufferie pour finir mes quêtes. Et à la base, j'étais avec Pitraclure qui était avec moi, spécimen qui aurait pu me tuer vu qu'on est resté genre 20 secondes tous les deux. Et c'est rien passé. Et après, le corps a été report quand j'étais à la chaufferie. Attends, vous étiez spécimen et attends. Il y a longtemps. Ah, non, c'était... Okay. C'était il y a un petit moment, ouais. C'était un petit moment. J'ai pas suivi. Pour moi, c'est un safe report. Hein. Je vois que ça. En plus, il a précisé qu'il y avait qu'un seul kill. Ouais, Thomas. Je vois pas. Les lights sont éteintes. Je vois pas. Les lights sont éteintes. C'est le bon moment pour le faire vu que t'es passé derrière nous. T'es con. Bah j'ai vrai, dit que je t'avais même pas vu. Tu sais que t'étais avec une deuxième personne, je sais même pas qui c'est parce que les lights étaient éteints. C'est des bons, on l'a dit dès le début. C'est useless. Oh là. Oh bordel de merde. Bah y'a 3 impôts, bizarrement. Pour moi, j'ai déjà la pièce sur Tilt. C'est... Oh, t'es un pot, t'es con, mec. Façon, même, si on avait... même si vous avez viré un bon impôt, ça aurait été mort. Donc... Bah y'a 3 impôts et Kéta prend 3 votes aussi. Trio de légende. Voilà. Ah bah écoute, Kéta, tu nous as... mon troll. Je t'ai dit, t'es un pot ou t'es con? Le pire. J'ai donné mon info. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous me dites, ouais, tu nous as accusé dès le début. Je t'ai accusé de quoi? La pire combinaison possible. Tu nous as accusé dès le début. Du calme, du calme. Placement dès le début. Vous y êtes très bien parlé. C'était moi. Ta solution, c'est que c'était moi. Remets deux impôts, baisse le coup. Alors attends, qui a fait le kill, spécimen? Qui a fait le kill? C'est Kreos. C'est moi, je viens de les dire pas étant oui, c'est totalement moi qui l'ai fait. Je suis arrivé par au-dessus du coup. Thomas. À gauche avec Théo. Oui, je suis arrivé par voilà. Au-dessus. Thomas. Je m'a croisé à ce moment-là en fait. Thomas. J'étais pas avec vous en bas, moi j'étais arrivé en haut. Oui, Mika. Thomas, Kreos a foutu le bordel parce qu'il a tué des personnes en se déguisant que t'as aussi. Hein. Il a le métamorphe et Théo il a fait 2 kills sans problème donc. Non, mais il était pas déguisé en quétin quand il a fait le kill. Il y a quelqu'un qui était déguisé en quétin qui a fait un kill sur Alpha, je crois. Parce que moi, il y a quelqu'un qui me tue en même temps. Mais j'aimerais bien savoir qui c'est parce que j'ai persuadé que t'as été à pas moi. C'est Tilt, c'est toi, c'est Kafka. Non, moi j'ai tué Alpha, j'ai tué Alpha. Il y avait Tilt, c'était. Ah, c'est toi. On avait 2 sur 3 moi. Mais attends, le métamorphe c'était moi et. Ah, j'ai pas utilisé. Ah, du coup, c'est en fait, c'est le bleu que j'ai vu, c'est le bleu du truc de Tilt, d'accord. Non, c'est juste pour savoir. En fait, quand je me fais tuer par Théo et je vois un kill en même temps, Pampa, celui d'Alpha, donc. Donc, ouais, non, ouais, c'était. À la note, ouais. Mais je croyais avoir vu du bleu ciel, mais c'était ton skin que j'ai vu alors. Je remets 2 impôts ou j'en laisse 3? Tu remets 2 impôts avec un petit cooldown. 20 secondes ou 22. Oui, dis Kreos. Je peux demander un truc, je peux arrêter d'être impôt s'il vous plaît? Non. Autre chose? J'ai un stress pas possible. J'ai pas être. Quelqu'un d'autre a des réclamations? Je peux être impôt. J'aime la vie. Est-ce que Kutin et Thomas veulent bien faire un câlin? Non, parce que moi je me suis fait insulter gratuitement sur un de ces misclics. Maxime, le pauvre, il s'est fait buter 3 fois au premier tour, je crois. Ah, il a même plus des mutes maintenant. Je peux lancer? Vous êtes sûr là? Vous êtes sûr? J'ai mis 2 ingénieurs. Je connais beaucoup. Il
Et n'oubliez pas de vous écouter, on est 14, ne parlez pas les uns sur les autres, sinon ça va commencer à faire des frustrations et tout. On est en mode tranquille. J'ai à 14, mec. Moi, j'ai pas envie, un 14. J'avais Xeno en plus, frère. Il vient de se passer une énorme dinguerie. Je te laisse que t'as parlé en premier si tu arrives. Non, non, vas-y, vas-y. Non, vas-y. T'arrives pas. J'y vais. Ça m'a tout l'honneur. De toute façon, on a les mêmes infos. On est sur la table d'admin avec. Enfin, tu sortais de spécimen, si je dis pas de bêtises, que t'as. Oui. Quentin, il sort de spécimen, je suis sur la table d'admin. Thomas est sur la table d'admin avec moi, il remonte de la table d'admin. Je suis en train de regarder un peu les pauses pour surveiller. Quentin sort de sa spécimen en même temps que moi, je remonte, je vois Kada, il est mort à côté de moi, j'ai pas vu qui c'était. Et Quentin est arrivé, il reporte avec moi, je suis en train de regarder autour pour voir qui c'est qui a tué. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est pas mal Gadoun. Il est mort au milieu d'admin. Malgadoun, t'es où? Ah mais non, je suis trop con. C'est la table d'admin avec Quentin et Mika. Il était avec moi dans spécimen, il peut pas avoir fait le kill. Ouais, ok. Ouais, justement, sauf que Malgadoun et Thomas étaient côte à côte. La dernière fois que je vois Tilx, c'est sorti de O2. Non mais, Théo... Thomas était côte à côte. Théo, je répète, Théo. Le kill de Thomas, c'est celui qui est admin au milieu de nous deux. Ah, et Thomas, Malgadoun et Quentin, ils reviennent de spécimen tous les trois. Ils sortent, je suis sur la table d'admin. Thomas monte au-dessus, alors que Malgadoun et Quentin me rejoignent sur table d'admin. On quitte tous les deux types d'admin avec Quentin et on trouve le corps de Thomas juste un peu plus haut. C'est aucun de nous trois. Ça peut pas être le Rixo puisque j'étais avec lui. On était à spécimen. On était à spécimen comme je te dis. Oui, avec mais t'es à spécimen, mais tu viens d'où? On vient de labo. Ouais, et aussi. Là, on arrivait devant la porte de USAS qui emmène à admin, mais on n'est pas rentré dedans. Vous avez reporté avant. Quelqu'un a vu Tils? Oui, mais justement, j'essaye de déterminer où est-ce qu'il est parti. Question. Pourquoi, Torixo, tu remets en doute la théorie de Malgadoun? Pourquoi tu lui dis t'étais à côté de Thomas? Mais parce que vous savez, quand j'ai pris la parole tout à l'heure disant qu'ils s'étaient téléportés, ils étaient côte à côte à laboratoire. Pour moi, je les avais vus s'arrêter à la porte. Et quand le sas s'est réouvert vers le bas, donc je suis allé vers le sommet et je les vois se téléporter sur moi. Du coup, j'étais surpris, hein, je le dis, et ils étaient tous les deux ensemble. J'ai fait mon download et les lumières se sont éteintes quelques secondes après. Donc, toi, je t'ai bien vu à spécimen quand on est arrivé. Mais Malgadoun et Thomas, je ne les voyais plus. Hein. Donc moi, ça peut être encore. Bah, alors, Malgadoun, je l'ai vu de CP aussi, il était contre la porte de spécimen en haut, là, dans le sas. Ouais, mais là, là, c'est quelqu'un. C'est qu'il était dans spécimen avec moi dedans et il devait faire le kill dehors. Théo, ce que tu dis n'est pas faux parce qu'on était tous ensemble, c'est aucun de nous parce que le kill, elle était fait au-dessus de nous. Il y a quelqu'un qui est passé dans admin, qui a slash en ne sachant pas qu'il y avait au moins 10 personnes dans admin. C'est vraiment ça qui s'est passé. Oui. Non mais attendez, mais vous me dites que Malgadoun et Quentin sont à spécimen, puis après vous me dites qu'ils sont admin, puis...
On est admin, on est passé. Ils sont admin. Et moi, on était ensemble. Le Rixo, on va le refaire clour. Tu les as vus à Spécimen. On était une rotation avant toi. Voilà. Du coup, on est sorti de Spécimen. Et devine où on est allé. Admin. Laboratoire. Bah non, vu qu'on tournait dans l'autre sens. Ouais, je croyais que t'avais vu Malgadou à la porte de labo, mec. C'est bon, je troll. Lucas, pourquoi ça se passe, toi? Bah, parce que je suis stab d'admin, quand ils arrivent stab d'admin, je suis avec eux, et Thomas sort de spécimen avec eux, ils m'auraient vu faire le kill, je suis sur stab d'admin. Mais y'a des balles. Alors, si jamais, pour revenir au kill de Tix, je l'ai vu sortir de O2 quand je faisais ma node, j'ai dû refaire deux fois ma poubelle dans O2 parce que y a eu un lag. Et je suis dans le couloir pour remonter à Electrical et ça arrive pour ça. Donc Tilk, ça a dû mourir vraiment pas très très loin. Je me prends 3 votes, sérieusement. Mais comment ça se fait que tu prends 3 votes? Non, t'as été un peu trop de fois aussi. T'as dit ça les 3 fois aussi. Hein. C'était des bookings. Avec Xeno, par contre, t'as des couilles, frère. T'as des couilles énormes. Oh non, vraiment, Xeno, tu fais que bidon, là, alors qu'il y a tout ce qu'il a à faire. Non, mais Xeno ! Ah, c'est le pire imposteur du monde ! Il a pas fait un kill, ce DG. Bah non. Frère, c'est impossible. Oh, Malgadoun non plus, je l'ai vu tellement de fois dans la game. Ah, c'est Malgadoun cette couleur, je me demandais qui c'était. Attends. Je suis en train de réfléchir. Qui est l'attardé? Évite d'insulter quand même. Désolé. Vas-y, je suis en train de réfléchir parce que j'ai vu quelqu'un monter à la tour réacteur gauche par la vitre. De Electrical. Alors qu'il n'y a pas d'alerte? Alors qu'il n'y a pas d'alerte et le corps est cam. Donc. La vitre? Le on corps de Raclure, c'est ça? Non, je crois que c'est le corps de Malgadou, non? C'est le corps de Raclure. C'est le corps de Raclure, ok. Bon. J'ai pas fait gaffe parce que bon, voilà. Parce que j'étais plus concentré sur la personne qui montait à la tour que sur le corps. La dernière fois que j'ai vu Malgadour, il était à O2, il y avait Arcanic et il y avait Jeff. Alors, si jamais je viens de O2 et il n'y a rien O2. Vraiment, j'ai checké toutes les salles. Alors, les personnes qui étaient à gauche, Jeffuré, Azex, je crois que j'ai vu Maxime. J'étais. Malgadour, une petite raclure et les autres, je ne les ai pas vus. Donc j'étais spécimen faire ma tâche, il n'y a pas de cadavre, il n'y a personne, je suis tout seul. Et Isaac, je crois que c'est toi qui m'as vu admin, qu'on est resté admin souvent, qui m'a vu partir spécimen, donc c'est pas moi, le dégénéré qui a fait ça. Alors, je n'ai aucun timing de kill non plus, mais je sais que je croise Maxime à communication,
D'ailleurs, Maxime, oui. T'es arrivé d'où, toi? Mais tu viens... Tu venais... Pour faire les lights? Tu venais d'où, Maxime, quand t'as été à Paris? Parce que j'arrive sur les lights, il y a personne, je galère sur les lights, je finis les lights, il y a Maxime sur moi. Le Rixo, on s'est croisé, non? Avec toi sur les lights, hein. Maxime, tu es avec toi sur les lights. Et Alpha, je l'ai croisé en descendant vers deux après les lights. Je crois pas qu'on se soit croisé à gauche. Moi j'ai croisé Alpha. Moi je sais Krios. Je veux juste demander, Maxime, tu venais d'où quand on s'est croisé à communication? Je faisais quoi? Tu venais d'où quand on s'est croisé à communication? Ça rien, je venais d'en haut, je crois. Je crois? Un peu d'effort, mec. Beaucoup. Ça fait beaucoup là. Tu m'en manques beaucoup. Je sais que je suis jamais passé par le bas. Oui, bah justement, en fait, c'est. Sur le kill de Kaokam, c'est probablement pendant les lights. Donc, putain, j'arrive pas à me souvenir de qui est monté sur cette tour de merde, parce que je suis sûr que c'est l'imposteur. Moi je pensais Krios. Il y a quelqu'un qui a dit que... Non, moi là je suis à Weapon actuellement, et juste avant j'ai croisé Gepurek qui était en train de faire les sortes de rouages là en bas de tout en bas de Moi je pensais Krios. C'est Maxime pour le moment. Moi je pense que c'est Krios parce que quand je faisais les lights avec Alpha, je sors et je vois Krios qui sort d'en haut, enfin qui vient vers la tour où il y a le réacteur. Mais en fait, j'ai pas envie, il me semble qu'il y avait du vert, mais je sais pas si là, c'est vraiment... Là, tu parles des premières lights, là je parle des secondes lights. La première light, j'étais avec toi, on se suivait jusqu'au light. Hein. Ah bon? Je voyais pas, mais j'étais à côté de toi. Oui, j'étais à côté de toi. Hein. Ah. Non. Et on a remis les lights ensemble. Ouais, on est trop dans les games, il n'y a pas assez d'infos. En vrai, ouais, non, mais je n'arrive vraiment pas à me souvenir. Je sais pas si je n'arrive pas à me souvenir si c'est du verre que j'ai vu monter, mais vraiment, en plus, ils longeaient des murs. Ouais, ils sont deux. Mais le verre, c'est moi, mais tu m'as vu à la spécimen, donc c'est pas moi. Non, mais j'ai vu du verre dessus, je n'ai pas dit que c'était... Ah, genre le buisson de Krios, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, mais... Je pense que c'est sûr que là, tu ne m'as pour rien. C'est Krios le dégénéré? Krios il est pas là. Krios c'est pas là, genre c'est pas lui. Non mais je sais, j'ai dit ça pour rigoler. Je suis tout en bas, c'est pas possible. Attendez. Non mais arrête de t'éloigner, Xeno. Wesh, lâchez-vous là, ils sont tous à la bas. Ouais, c'est dead, hein, ils sont 36 à la bas. Oh, en plus, c'est Xeno. Oh! Frère, c'est dead. Ils sont tous pompés. Non, y a plus chaud. Hein. Fermer les portes admin.
Red Dead, Xeno, il sait pas, je suis un impôt. Ah, et j'ai vu le corps de Rixo qui était justement au niveau des vitals. Il va faire à peu près 10-15 bonnes secondes qu'il est mort. Il est mort pendant les lights. Les quêtes sont presque finies, hein. On est toujours alors, 9, donc c'est, si c'est jamais... très safe comme situation. J'ai fini mes quêtes, moi. Pareil. Si jamais il est pas... au moment où on était tous labo, alors je sais plus qu'il y avait, il y avait énormément de monde. Quand on était tous labo, que les lights sont tombés, ça explique quelque chose. On est 3 à être partis. Moi, je me suis arrêté porte de labo. Je suis retourné à l'intérieur de labo parce que j'ai vu. J'y suis allé 3 fois pour vérifier s'il n'y avait pas eu un crime. Et Rixo, lui, il est parti vers le bas, donc je suppose qu'il est parti vitals. Mm-hmm. Et l'autre personne a filé tout droit au light. Je comprends mieux pourquoi. Je me disais, on est beaucoup. J'étais fait mes quêtes à O2, toutes mes quêtes à O2. J'ai croisé Walou personne. Je me dis, ils sont partis où vous étiez. Vous étiez tous là-bas. C'est une blague. Ouais, on était vraiment tous là-bas. Tous la vache. Donc, il y avait des gardes à soit la personne qui devait. C'est qui a réparé le light? C'est moi qui ai réparé le light. Allez. Non mais si en plus il lag, laisse tomber. Si en plus il déco, laisse tomber. Putain. Xeno, qu'est-ce que tu branles? Justement. Oh non, putain. Xeno, tu m'as rendu fou. Tu m'as rendu fou. Du coup, c'était Mika et Xeno. Mais oui, c'est moi et Xeno. J'essaye de chercher des kills, des kills esselés. Et à chaque fois que je trouve des personnes esselées, c'est Xeno qui. Xeno, on est avec 10 personnes à tuer. Tu vas perdre les quêtes à storage. Allô. je me dis, oh, il y a quelqu'un à storage. J'ai pas mis prendre et puis là. Il y a quelqu'un à storage, je vais pouvoir aller le buter. C'est Xeno. Oui, c'est moi qui. Non, c'est pas moi qui ai tué Thomas. Non, justement, il faut que je vous explique le kill de Thomas. Ah, je t'ai mis la source, mais j'ai pas. Ah ouais, t'es dégénéré, Xeno. Xenomorph, hein. Tu fais aucun autre kill, mais pour tuer Thomas au milieu de 5 personnes, t'es complètement cinglé. Je voulais pas du tout, j'ai dû m'expliquer. Oh la merde, je voulais pas faire ça, en plus c'était juste à côté. Par contre, mais arrêtez de me suivre. Oh là là. Je le savais que j'aurais dû, que j'ai failli mourir à Storage. C'est toi, Xeno, que j'ai vu à Storage quand j'y suis allé. Non, j'en ai marre, à chaque fois que ouais, je rentre... J'avais tué personne à ce moment-là. Toujours un impôt qui rentre avec moi. X, t'étais mort où, par curiosité? Il était mort, là, c'est le beau kill parfait. Il s'est isolé à Astéroïde, je l'ai tué, j'ai fermé la porte et il n'y avait personne qui l'a trouvé. J'étais sûr qu'il était pas loin d'O2, genre qu'il était soit comme, soit et Weapon ou un truc comme ça. Une information qui aurait pu nous aider, Théo, t'as dit une information qui était fausse, puisque le corps qui a été report, c'est pas le corps de petite raclure, c'est le corps de Malgadoun. Petite raclure, je l'ai tué à ce J'avais raison, du coup. C'était Malgadoun, je pense qu'il était Cam. C'est Alpha. Me faire confiance. En plus, Mika, je t'ai croisé Oui, je t'ai pas tué à la table d'admin parce que je ne savais pas si la personne qui était spécimen allait revenir sur le corps. Lance la game. Il en manque un. J'arrive. Seul. FFRYGF. Ah. Oui, vous avez démarré sans moi? Oh, je suis un pauvre. Les gars, j'étais pas dans la game, mais c'est pas grave. Oh, le troller. On avait dit d'attendre. Ouais. Non, il était mis de casque. On relance la game, sinon non. Bon bah. Non, je vais vous laisser et je vais raid quelqu'un. Si c'est comme ça. Non, vas-y. Non, mais déconnecté, t'as tué. Déco là. Ah, y'a déjà un mort! L'autre, c'est qui le deuxième? Oui! C'est moi! Y'a rien que tout le monde déco! Y'a que les imposteurs qui doivent déco! Oh, cette game a. Ah, la victoire! Cette game m'a rendu fou furieux! Fou furieux! Salut les gars, très belle partie! Ça me fait vraiment chier! Hein. C'est probablement ma seule game imposteur et je suis obligé de la livrer! Ah, dommage! Moi, j'aurais été toi, j'aurais pas quitté! Hein. Oh bordel! Salut Arca! Bah, alors, ça me fait chier, ça fait deux soirées d'affilée où genre je kiffe un peu. Attends, sur Discord. Je lance! Ça va, ça m'arrange, j'ai vu que j'étais un peu genre non.
T'es un peu plus. T'es, on est, excusez-moi, mais deux impôts contre 15, c'est impossible. Hein. Avec tout le monde qui bouge partout, avec 7. Ouais, sept... hein, faut me le dire. Avec 7 personnes, ouais, avec 7 personnes qui se tiennent. Excusez-moi le terme, hein, mais avec 7 personnes qui se tiennent à but à la bosse, ouais, c'est impossible. Hein. Doucement, les vulgaires. C'est vulgaire. J'aurais jamais osé dire ça, moi. Moi non plus. Il est vulgaire. Oh là là. Non, mais Xeno, comment tu veux que je trouve un kill s'ils sont sur 9, ils sont 7 à la bosse? 7 à la beau! Et que t'as moi en. Et que t'as. C'était exceptionnel, Mika, hein, c'était vraiment exceptionnel. Non, tu peux pas mettre 3 impôts avec genre 40 secondes. Je les mettrai, je les mettrai. La vache. Oh. Mmh. Oh, ça m'a fatigué. On l'aurait gagné, elle aurait été légendaire, mais c'est impossible. Je pouvais signaler à côté de nous là, Inspiro là. Je t'ai appelé. Ouais, je t'ai appelé. C'est Spiro le dragon, ouais. Le cadavre est au-dessus de des astéroïdes. Il est entre astéroïdes et communication ou porte astéroïdes. Voilà, voilà. Okay. Ah ouais, donc on peut vraiment report à côté de moi là. Je suis. Alors, attends. Attends, c'est qui que t'as report, Mika? Xenomorph. Attends, j'ai peut-être un débile profond. Ça ou pas le kill? J'en sais rien du tout, j'étais au 2 en train de faire mes balles. Alors, le kill sur Maxime est ultra récent, le kill sur Xeno, j'en sais rien. Si c'est vraiment Xeno que t'as report, le kill est quand même assez récent, je dirais au moins 20 secondes, mais pas plus quoi. 15 secondes, entre 15 et 20, mais pas non plus. J'ai eu. Ça peut être Kryos encore. Ça peut être Kryos encore. Parce que j'ai fait mes astéroïdes et après j'ai été à O2, j'ai fait mes bonbonnes et là je revenais avec. Je n'ai aucune information. Je remets les lights et je pars à labo. Juste avant, j'étais avec Zemika, j'étais tout en bas, j'étais à O2 en train de faire mes trucs et je suis remonté à l'électricité. Tu venais de. Je t'ai pas vu. Kryos, j'étais à la COP. Effectivement, j'étais à COP. Et ensuite, j'allais au 2. J'ai croisé Mika. Je t'ai pas vu, moi. Et à ce moment-là, il n'y avait aucun kill. Kryos. C'est qui le corps signalé? Je suis désolé, j'ai peut-être pas fait attention, mais je ne t'ai pas vu. Si, Mika, il était au 2. En tout cas, Xeno. Alors, s'il est mort, si Xenomorph est mort au niveau de porte astéroïde. Mmh. C'est quand il ressortait de la pièce parce que je suis parti de Weapon, il arrivait sur le PC. Donc il a peut-être fait ses astéroïdes et il est ressorti et il est mort à la ressortie. Donc s'il a fait ses astéroïdes, le temps que je fasse le trajet. En vrai, il est même plus récent que ce que je pense. Vous êtes où? L'Orixo, t'es où? Je t'avais dit, il a entendu. Pardon. Où? J'ai pas entendu. L'aspélologie, c'est pas ici. Ils sont tous les deux jaunes. T'as un timing okay. T'as pas vu le kill sur Vitals? Maxime est ultra récent, mais j'ai pas vu le kill sur Xeno. Quand je suis arrivé, Xeno était déjà mort. Et je demande de qui? C'est quoi? C'est qui le corps qui est mort là? Le corps qui est signalé? Le jaune. Ils sont tous les deux jaunes. Xeno. Xenomorph. Maxime. Eh ben j'ai le Maxime, il est sur, je l'ai dit tout à l'heure, je pouvais signaler, il est entre administration et bureau. Voilà. Entre administration et bureau. C'est là où je suis, c'est pile au moment où t'as signalé, j'avais le bouton signaler. Oui, littéralement. Entre administration et bureau. Et Théo est à Vitals et Traclure, Théo. Oui, il serait mort dans le couloir. Traclure, il est specimen room. Sachant que c'est pas quelqu'un qui vient de à droite de bureau parce que j'en arrive. C'est forcément quelqu'un qui arrive d'à gauche. Alors, qui est reparti par la gauche. Et que j'ai surveillé les Vitals. J'ai vu d'ailleurs que c'est de mort se mourir.
Est-ce que Maxime était mort avant Xeno? Non, juste après. Non, suivez un peu. J'ai dit que quand je suis arrivé à Vaitos, il n'y avait que Xeno qui était mort. Maxime, le kill, il est à l'instant. Rixo, oui, c'est pour ça qu'il faudrait le parcours de certaines personnes ici. Alors, 5 années au PS, ensuite... Mika, je sais d'où il vient. Il y avait qui avec nous, Mika? On était aux deux. Aucune idée. T'as fait tes roues boiler? Ouais. Mais il y avait quelqu'un au bombard d'oxygène. Je t'avoue que j'ai pas fait gaffe. J'ai pas vu d'ailleurs d'où il est arrivé. Je suis encore sous tension de la game précédente, donc je n'ai pas fait attention. Putain, j'ai pas voté. Et à toi, Maxi. Bou. Il est dans Bébou. Ah, Bébou. Il est pas là. C'est mieux. Il y a Pierre. Oula. En fait, je me dis quand même un truc que les games à 15, les impôts, ils ont toujours, il faut vraiment qu'ils skipent à chaque fois parce qu'il suffit qu'il y ait un, deux ou trois indécis pour être sûr qu'il n'y ait pas de personnes votées et qu'ils gardent les impôts ensemble. C'est un peu bullshit. Salut Lucifer. Ça va. Ouais, j'ai eu une game impossible à deux impôts code 14. C'est compliqué sur une map où. La map est géniale, mais quand ils sont 7 au même endroit et 3 autres au même endroit, c'est très dur de jouer un poster, mais... Bon, sinon, non, c'est cool, il y a du monde, je m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde tôt le jeudi. C'était pas prévu, hein, la soirée Among Us, moi j'avais prévu d'être en repos ce soir. Mais c'est que Tain qui m'a demandé, parce que le groupe avec Raclure voulait en faire un, donc... Dis-toi qu'il y a Arcanic, il y a Thomas Tico et tout ça, donc il y a du monde. Bon, ouais, on pourrait. Pourquoi tu veux venir jouer avec nous? Parce que si t'es avec nous, on essaie. Je suppose qu'il y a un petit biscuit aussi. On pourrait faire deux groupes, c'est pas une mauvaise idée, mais. Je pense pas que je vais jouer tard, moi, personnellement, parce que bah, c'était pas prévu, je suis censé être au repos. Et j'ai des choses à faire. Ouais, y'a Arca, y'a Thomas, y'a Raclure, y'a tout le monde ce soir. Il manque que les gens, entre guillemets, de mon groupe, je vais dire ça comme ça, de mon groupe et de Sweet Flying, les Eliaka, les Manon. Mais je savais que ça arriverait ce jour-là. Hein. Si en fait, si tout le monde, les habitués de tout le monde, qui sont déjà venus 4 ou 5 fois. Jouer à Among Us, tout le monde est là. Faudrait faire 4 groupes, pas 3, pas 2, 4. Ah bah, yes. Bon bah tant pis. Il faut faire plusieurs groupes parce que bah, du coup, il y aurait. Là, si je calcule bien, mais je te rajoute dedans bien sûr, je rajoute PQ, je rajoute Octave, Manon, Eliaka, Flying. Bref, tu pourrais être à facilement 30 ou 33 personnes. C'est vrai que je crée plusieurs salons dans Among Us. Voilà, il y a 35. Oh, il y a 4 kills, ouais, c'est fin de game. Ouais, c'est fin de game là. Et le problème, c'est que t'es obligé de mettre 3 impôts. T'es obligé de mettre 3 impôts à 15. T'es vraiment obligé parce que sinon, un 2 ça marche pas. Mais regarde, 3 impôts ça peut aller vite aussi. Hein. Ça dépend de qui t'as peau. Scryo, je te laisse imposteur. Mais je te laisse parler. Sinon, je le sens imposteur aussi. Donc voilà, oh, je vais laisser la game, pardon. J'ai un dernier point encore, je peux savoir bien où il est. Merci. Il est au niveau de la lave. Voilà. Ouais, on l'a vu aux caméras. C'est où là quelque chose. Thomas, moi j'ai une grande question à te poser. Il y a l'alerte sismique, tu vas juste à côté, au lieu d'y aller, tu rentres dans le labo. Pourquoi? Pour faire mes quêtes et je vois que vous êtes deux à arriver pour affaire. Non, tu ne nous voyais pas encore arriver à ce moment-là. T'attendais devant la porte fermée, au lieu d'aller faire la lettre sismique, t'es rentré dans le labo. Théos, tu viens de monsieur, passer. Monsieur le ministre, tu viens d'arriver. Mais enfin, monsieur le ministre de l'Intérieur, ça tu venais d'en bas en plus. Vous venez d'arriver depuis la droite pour arriver aux caméras, en compagnie de monsieur le policier ici, que vous avez corrompu, car effectivement, en effet. J'ai trouvé des traces d'une transformation physique sur le chemin, monsieur. Qu'avez-vous à dire contre ça? Ensuite, l'assemblée a parlé, monsieur. Alors, pas de soucis, j'ai juste speedrun mes quêtes. Non, mais c'est pas ça que je vous ai. Offrez pas deux groupes, j'ai encore des personnes qui veulent jouer avec nous, et là on est au niveau maximum.
Un groupe de streamers. On aura un autre problème, c'est que bah du coup ça fera deux groupes trop petits et dans tous les cas c'est pas fun. Ben c'est enfin, si non. Tu veux mon humble avis. Il y a un prince PQ qui doit revenir, il y a Lucifer sur mon live, il y a Bourman Timboski qui va rejoindre, tu vois. Si on commence à être de trop, il faudrait faire deux groupes, on peut sans problème faire deux groupes de 8 là, ou deux groupes de 10. On est 16, ça ferait deux groupes de 8. Tu sais jouer à 8, t'as deux impôts. Mais je demande, hein, je demande, parce qu'il n'y a pas que moi comme streamer. Je connais mieux le jeu, moi je trouve méga. Mais je demande surtout à ceux qui. Je demanderai à tout le monde et tout ça. S'il y a d'autres qui viennent jouer, ça commence à avoir du monde, commence à plus avoir de place pour tout le monde, donc ce serait peut-être mieux de faire deux groupes. Mais je te le demande à toi, parce que t'es mort et les autres sont toujours en game, c'est pour ça que je te le demande. Merci de me rappeler ma déchéance. Ouais, merci, je suis mort avant toi, je te rappelle. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est. Cherché à mourir. Il y a quelqu'un qui s'est mort avant toi en plus, je ne dirai pas qui c'est, oui, mais c'est. Il s'est mort en moi et m'a tué après. Donc j'ai tout vu. Do it, do it. Là, je vais demander aux autres sur le Discord. Yes. Excuse-moi, je te remets au-dessus. Oui. T'as voté pour qui? Moi j'ai voté pour qui? J'ai voté quelque chose, je ne dirais pas. Bah dommage, j'aurais suivi. Hein, écoute. Oula. Votez Thomas derrière, je vous le dis, votez Thomas. Je voudrais profiter pour faire un petit message. Sur le Discord et ainsi que sur la chaîne Twitch, il y en a encore qui viennent rejoindre. On va être de trop. Est-ce qu'on ferait pas deux groupes avec chaque streamer dans chaque groupe? Et qu'on peut changer et se choisir une fois plus, parce que là on est 15, il y a Lucifer sur le Twitch, il y a Prince PQ qui a dit qu'il venait vers 22, il y a aussi probablement Tibiscuit qui peut-être rejoindre en fin de journée en soirée, donc on est au minimum 16, donc on pourrait faire deux groupes de 8, voire deux groupes de 9 avec tous ceux qui viennent. Moi ça va être voilà. Ma dernière, les amis. Ah oui, déjà raclure, t'as demandé, tu fais ouais. Déjà ta dernière, aïe. Pardon. Bon, mesdames et messieurs, enfin, on s'arrangera après la game, je vous en prie. J'ai été démocratiquement, n'est-ce pas? Et je pense que nous devons nettoyer les rangs de notre police, n'est-ce pas? Notre police corrompue par les antidémocrates. Votez Tix, merci à tous. Tix, il avait une devant nous. Monsieur le Président, comme je l'ai dit explicitement, je vous ai dit à la niche. Parce que le combat continue, toujours moi. Le combat continue, n'est-ce pas? Et comme tu peux le voir, Lucifer, quoi, si en plus il joue à un autre jeu dans le jeu, on a vraiment du mal à faire quelque chose. Quand je suis un poster. Non mais ta veine devant moi. Bah ouais, ça s'appelle ingénieur. Oui, il y a pas d'autres. Il y a deux ingénieurs. Des quêtes. Bizarre. Bon, c'est mort, hein. Voilà, c'est mort. Quel jeu de merde. Quoi? Ah là là. Quoi? Ouais. En même temps, les gars, si vous faites un autre jeu dans le jeu, j'ai rien compris, moi. Mais quoi? Mais à quel moment? Bah, à ce moment-là. Au moment où sur les deux premiers kills, il est bon, je retire pas sur les actions. Vu je retire ce que j'ai dit avec deux imposteurs, c'est possible quand il y a un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et un septième imposteur, c'est très drôle. Alpha, faut être lucide, un imposteur il vanterait pas devant toi. Au revoir, raclure, des gros bisous alors si tu t'en vas. Bisous, raclure. Je vais le suivre aussi si jamais. Ça va, Geoffrey, vous êtes le bienvenu quand vous voulez pour d'autres lives, un grand plaisir. N'oubliez pas, follow la chaîne, c'est important. Ah là, je me suis fait manipuler par mon premier ministre, quelle honte. Ouais, Belge est mort devant Cutin, je vais troll avec Cutin. Est-ce que c'est manipuler ou juste se faire complètement avoir gratuitement? Un peu les deux. Non, mais moi, je pas c'est Rios Silx. Quand vous reportez, la première chose à faire, des gros bisous. Demander les pauses déjà. Des gros bisous, Raclure, merci d'être venu jouer. Des gros bisous à toi, il y a peut-être potes sur ton serveur. J'ai exaucé ton Du coup, Lucifer, si tu veux venir nous rejoindre, t'es le bienvenu. La question que je voulais poser, c'était qui était monté à la tour tout à l'heure. La tour. Ok, de réacteur à gauche. Théo, tu peux lancer et il nous rejoindra à la suivante.
Alpha, t'es pas aveugle, interromps quelqu'un, te faire tuer à côté de toi. Je sais même plus. Ah. Je suis mort à côté de toi. Mais c'était qui avait tué? Moi. C'était moi. Oui, Malka. Thomas, mets le carton. Mon cher Théo. Malgan, oui, mais comment il s'appelle dans le jeu, Malgan? Oui, Malgadou. Malgadou. Mais j'ai pas vu parce que j'avais pas la règle suffisance pour te voir. J'ai vu signaler en fait. 32, 27, 25, 30. Sale merde. J'ai un gros cul. Et attends, déjà, je Oui, moi je suis prêt. À 100% le métal. Eh ben, enlève les deux ingénieurs. S'il vous plaît. Ah, c'est bien. S'il vous plaît. Vous avez un ananas sur votre tête, attention. C'est bon. Parfait. J'ai un super ananas. Ah, avec une crête de lutin. Y'a pas qu'à des crédits ou j'ai rêvé? Non, ça pack à 25 minutes. J'ai rêvé. Bon, j'ai vite relancé un match. Comme ça, ça continue à jouer pendant que je suis sur mon gus. Hop, 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 hop. Alors, j'ai une info. Je viens de voir Tilk se métamorphoser et de rentrer dans une vente. Je suis Vitals et j'ai vu le kill en direct sur Vitals, il a 4 secondes. 4-5 secondes. Alors Tilk, malheureusement ça va être con hein, mais... Non mais alors, sérieusement, on va Tilk. Je viens d'avoir une information dans mon oreillette. Non, c'est juste qu'on est... 100% c'est arcanique. On est tous autour du corps et moi je suis comme un connard en train de lire sur mon téléphone tout en marchant. Et genre je passe une fois sur le corps et puis genre je regarde mon écran de PC, je vois le corps. Je sais pas pourquoi, je voulais aller checker réacteur gauche. Je commence à monter, je vois deux personnes arriver. Puis genre on est 4 là à mon avis autour du corps. Donc ça fait déjà un petit peu plus de 4 secondes qu'il est mort. Il est où le corps? Non, le corps il est mort, il est vraiment mort, il y a 4 secondes. Le corps. Il y a vraiment 4 secondes? Ouais. C'est qui qu'on a vu de revenir de réacteur gauche? C'était... C'est moi. Non mais s'il y a eu un métamorphe. Déjà, s'il y a eu un métamorphe, qui a croisé qui pour l'innocenter? Bah, moi j'ai vu toi te métamorphoser et rentrer dans une vente. Eh mais, ah, tu t'as pas vu la personne alors? Ah, donc du coup... Attends, ça va être Seb. Krios, quand tu as vu Tils, enfin la personne se métamorphoser en Tils, ou Tils qui s'est métamorphosé, est-ce qu'il y avait des traces derrière? Des traces au sol. Sur la vente, hein. Oui, mais est-ce qu'il y avait des traces au sol? J'ai pas vu de traces. Si t'as pas vu de traces, c'est que c'était Tils. Pour la simple et bonne raison que quand le métamorphe se transforme, il y a des traces en dessous. Pas quand il se recroise sa forme. C'est pas transformé ici. Alors, je vais casser tes rêves dans les deux cas. Dans les deux cas. Bah alors que le Krios aurait dû voir les traces alors. C'est qu'il a pas vu le métamorphe alors. Mais si, c'est pas transformé j'ai vu ici. Métamorphe, mais j'ai pas fait attention à des traces en fait. Je vois pas ce que tu parles de traces. Mais j'ai vu le métamorphe se transformer sur la vente et rentrer dans la vente. Genre c'est comme si je voyais un poulpe sur le sol. C'est ça. Et avant la métamorphe, c'était Tilk ce que j'ai vu. C'est quoi une métamorphe? Alors, est-ce qu'il s'est transformé en moi? C'est vrai, c'est vachement probable d'être démétamorphosé chez quelqu'un d'autre. Voter Tilk. C'est que j'ai pas pu le pas le voter. D'accord, parce qu'il est rentré dans la vente en même moment quoi. C'est un rôle qui fait que tu te métamorphes. C'est moi le métamorphe. Voter Tilk s'il y a des vaux. Ouais. Ah ouais, quand même, putain. Il y en a qui ont pas voté. J'ai skip, moi. J'espère que c'était lui.
Oui, je pense que c'est 100% lui. Je pense que celle-ci sera ma dernière. Arcanic ou Thomas, vous êtes Thomas Shikto Live ou Arcanic, tu y es aussi? Non. Ah d'accord. Thomas, ouais. Thomas, ce sera ma dernière, je te raiderai juste après, ça va? Ça marche. Le père de Trios est mort au 2. Il y avait qui au 2? Je sais que c'est un qui est Saint-Venki. Je le sais. J'étais au 2. Je suis au niveau des bonbonnes d'oxygène. Oui, non. J'étais au cam, j'ai vu Malgadou là au niveau des déchets. Je sais pas où je suis. Je suis laboratoire apparemment. Oui, Lucifer, c'est ma dernière. Mais il reste joué, donc tu peux les rejoindre quand même sur le Discord. Moi, je pense que j'arrêterai aussi après. Allez, dodo un peu. Du coup, Maxime, tu es en train de faire quoi? À moins que tu veux que j'en fasse. Si tu veux, Lucifer, je peux encore en faire une après pour en faire une avec toi. C'est vrai que t'as dit que tu venais. Je peux encore en faire une pour en faire une avec toi, Lucifer. Comme ça, tu peux. Je joue au moins une fois avec toi. Y'a pas eu de double kill là. C'est pas Maxime. De quoi? Non, il y a eu un simple kill puisqu'on a voté Tils. J'ai dit, c'est pas Maxime. C'est qui Maxime? C'est moi. C'est Maxime. C'est qui Maxime? Bah, celui que j'appelle Maxime. Ah, Maxime. Lol. C'est pas un G, c'est un cul. On rigole, hein. Le cul? Le cul. Je suis sûr que c'est vrai. Mais c'est qui a dit que c'était pas moi, là? C'est moi, c'était Rixo. Enfin, inspecteur Rixo. Bon, j'ai pas d'infos, ouais. Moi je skip. Xenomorph. Il y a combien d'infos, là? Maxime, c'est toi pour la simple et bonne raison que t'es spécialisé avec moi. On peut partir du principe qu'il en reste qu'un s'il y a eu qu'un seul kill avec le temps qu'il a eu. Non, je veux dire, c'est pas un lobby à 3 imposteurs. Non, c'est un lobby à 2. Ok. Venez, on vote Mika. Ouais, ça, c'est sauce. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas voté pour lui. Tu peux voter pour moi, tu peux, si tu veux. Je savais bien que c'était toi qui me votais. Pourquoi il y a des votes sur moi et Mika? Je skip. Je sais pas. Parce qu'on vous aime. J'ai 2 votes pour moi, trop d'avance. Non, il y a un vote, c'était moi. C'est moi qui t'ai voté, mon cher Théo. Ah, non, je déconne, j'ai skip. Quoi, est terminé. D'abord, si je veux. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Si. Oh.
coup tout tout tout. Oh bah. J'ai les buzz. J'ai envie de péter mon crâne là. Moi aussi j'adore péter. Ça fait deux fois que je vais aux bouteilles d'oxygène. Ça fait deux fois qu'on me coupe à la dernière bouteille d'oxygène. Vraiment. Ça, je vous jure, j'ai envie de péter. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Léo. Essaye sur Simon, tu changeras d'avis. Léo, ça admin. Enfin, en dessous, juste admin. Ça c'est la Freeport. Le SAS admin. J'ai pas été spécimen parce que j'avais pas de task à spécimen. Bon, j'étais bloqué dans le SAS en haut. Après, ça a fini de faire le réacteur, du coup, je suis redescendu. Et bah, je l'ai vu là. Du coup, t'es monté labo après avoir réparé les coms. Alors, j'ai pas réparé les coms, j'ai pas réussi, on sait de la merde. Oui, je sais, c'est moi qui les ai réparés, mais t'étais au niveau des coms, donc après t'as filé labo. Non, je suis passé par en dessous, je suis allé, tu sais, là où, à côté de l'office, là où il y a le truc pour. T'es passé par en bas ou par en haut? Par en bas, là. La game. En bas à gauche. Les impôts, ils gagnent la game, ça compte pas. Après, t'es à droite d'office. Les impôts, ils gagnent la game, ça compte pas, le chat, hein. Gagner au self-report, c'est sale. C'est sale. C'est possible, on peut le faire, hein, mais c'est sale. Gagner au self-report, non mais oh. A-t-on idée de faire des bêtises pareilles? Quelle est dignité. Pardon, excusez-moi, je vous remets le game. T'es où? O2 actuellement. O2? Ah là, ouais. De mémoire, il y a beaucoup de monde en bas à gauche. Quoi? Bah de mémoire, il y a toi, Quentin, il y a moi. Avant, j'étais juste au-dessus de Cam. Avant Cam, j'étais à côté de Navette pour le fuel. Avant Navette, j'étais à Cargo. Avant Cargo, j'étais à côté de Navette pour le fuel. Avant Navette, j'étais à Cargo. Avant Cargo, j'étais à Administration. Il y a combien de kills? Puisqu'on parle de ça, je voudrais qu'on parle de ça justement parce que j'étais aux caméras et je t'ai vu. Tu m'as vu à FK, j'ai juste envoyé un message. Ouais, non. T'as juste t'es resté genre une minute. Ouais, parce que j'envoie un message. Ah, tu sais, le temps d'écrire un message. Tu rebouges, tu bouges et tu retournes dessus, tu restes 30 secondes. Donc, Xeno, je suis allé à ma quête, j'ai envoyé un message, j'ai pas ouvert ma quête, ok. J'envoie mon message, je vais sur ma quête. Et là, tu vas sur ta quête. Je renvoie mon message. D'accord, juste un truc, voilà, Arcanic est à 50% safe. J'ai envoyé puis là, à ce moment-là où je te donne le calme, enfin bon. Seulement. Bah en fait, il y a eu qu'un seul kill. Ah ouais, c'est vrai. Ah, parce qu'on s'est suivi. Non mais il y a qu'un seul kill, mais si on part du principe que on a éliminé Tilx parce que ah oui, c'est vrai. Vraiment une métamorphe. Enfin un métamorphe, pardon. Au début. Et de toute façon, c'est qui l'a accusé? C'est Kryos, il est mort, donc voilà, c'est sûr en fait. Ouais, du coup, il reste clairement qu'un seul imposteur. Donc, bah, ouais, je sais pas, je vois mal. Peut-être encore deux. Hein. Il y a que un kill par un kill depuis tout à l'heure. Ouais, mais tu sais, il suffit que le deuxième impôt il puisse juste pas la tuer. Ou... Ouais, enfin, les rounds sont quand même longs là. Hein. Les rounds sont longs. Parce qu'il pouvait pas se défendre. Hein. Vu qu'on l'a voté, ça paraîtra logique. Il est où le corps, s'il vous plaît, déjà? Il est où ça, sans tout d'admin? SAS, ouais, SAS admin. SAS en dessous d'admin. Ouais, le SAS spécimen. Ouais. Non, bon, on peut passer, hein. En tout cas, on verra bien. On verra bien. Oh là là, ouais, allez, bonne soirée, les gars. Parce que tu es un FK, ouais, ce fair play incroyable. Non, je pense que c'est parce que tu t'es énervé. C'était lui l'impôt, c'est très drôle, par contre. Je me suis pas du tout énervé. À aucun moment je m'énerve. J'ai levé la voix, mais j'étais pas énervé. Ah ouais, t'as levé la voix, putain, t'as littéralement. J'étais pas énervé! Putain, c'est là-bas! Il est méga. Allez, bonne soirée, vous savez quoi? Là, c'est. Allez, mon pote! Bah putain, qu'est-ce que j'ai envie? Le
Vas-y, Arca, il a pas de carton, casse-lui la gueule. Non, il est gentil. Enfin, peut-être. Non, il casse les dents. Ah, il est là. Fais peur. On s'enfuit. Vite. À souffrir des gens. Pardon. Maxlim, pourquoi t'es sur le kill? Hein? Maxlim? De quoi? Je suis en bas, je suis à côté de spécimen, je viens de sortir d'admin là. Bah t'es spécimen en face de moi, le cadavre est juste en face de moi. Je suis dans admin, je viens juste de rentrer dans le sas pour aller vers spécimen. Donc soit c'est un mort, soit c'est toi. Soit c'est quoi? Soit c'est un mort, soit c'est toi. Un métamorphe. Ah, non, je t'assure que là, alors, vraiment, je suis soit admin là. Si c'était style, sans métamorphe, il y en a qu'un ou il peut vraiment y en avoir deux? Non, il y en a qu'un. Donc bah, du coup. Donc c'est vraiment ça. Ça peut être que Maxime. Oh putain, je veux que je vous raconte un truc. En fait, j'ai mis ce clic en rentrant dans la veine tout à l'heure et je me suis démorphe. Au tour 1. Et vous avez voté que j'en peux plus. Bon. Et du coup, c'est. En fait, j'ai mis clic, ouais. Je me suis démorphe sur la vent. C'était moi, c'est toujours moi là. Je voulais te faire gagner. Pourquoi tu le dis maintenant? Je me suis fait de Tix qui attend depuis 20 minutes pour refaire une game. Qui s'est fait jeter comme ça. Ah. Non, j'aurais pu attendre quand même encore un peu. J'ai morph devant Thomas et il est fair play, mais c'est un peu l'anti-jeu, donc ça me paraît justifié. Ouais, mais nous on est là pour le spectacle, tu vois. Ouais, mais les morts, le spectacle, tu vois, ils ont un peu à récupérer. Eh ben, ouais, surtout que surtout qu'on est nombreux, du coup. Si du coup, il y avait vraiment encore deux imposteurs. Ou alors, on a vraiment éjecté la bonne personne, mais... J'y crois pas. Ah bah, c'est qu'il y a deux impôts. Arca me dit... Ah non, Arca, il est mort, je suis con. Donc je reporte le cadavre de Thomas. Où ça? En dessous d'admin. En fait, on était tous les deux à spécimen par labo. Mais en fait, la porte s'est refermée sur moi, du coup on a été séparés. J'ai dû attendre que ça s'ouvre à nouveau, je l'ai couru après. Et puis quand je ressors du côté admin, il y a son cadavre. La game est finie si jamais. Hein. Admin. Souviens-toi, le round juste avant, il y a un truc qui a été dit. Xeno. Ouais. Maxime était sur le kill. Oui, je sais. Donc voilà. Moi sur le kill, c'était Quentin, je crois. Après, pourquoi est-ce que tu vas pas faire les alertes, Isaac? Moi, parce que j'ai vu plein de monde y aller. Donc bon. Et puis je me suis dit que je m'en foutais, c'est pas bien grave, il me restait une quête à faire, je l'ai faite. Mais ça a rien à voir avec les quêtes.
Ouais, bah, je sais, mais vu qu'il restait très peu de quêtes, je me suis dit que je m'en foutais et que c'était pas grave, on aurait pu finir au task. Enfin, pour moi, ça a rien à voir, hein, parce que si tu... quel que soit le nombre de tasks, si on perd, on peut pas se faire tuer dans les premières secondes. L'alerte était dans les premières secondes, donc on pouvait pas se faire tuer si tôt. Mais par contre, ouais, à cause de l'alerte, on perd, quoi, peu importe le nombre de tasks. Ouais, mais... Mais peu importe. Si vous allez tous réparer, vous pouvez pas vous faire tuer non plus. Bah là, j'étais tout seul à y aller. Hein. Eh bah écoute, même si t'es tout seul, tu peux pas te faire tuer. Le cooldown n'était pas up. À deux secondes de tuer Isaac. À deux secondes de tuer Isaac. Je sais, mais je m'en doutais. Et moi, ce que je voulais, c'était juste ouvrir la porte pour trouver un cadavre, en fait. C'était tout ce que je voulais. C'est que j'ai vraiment pas réussi à la porte. Je quitte en fait, il y a Maxime qui me chase depuis tout à l'heure, genre il fait des demi-tours chelous et j'étais en mode... C'est qui m'a tué au début, là, du coup? Bon, ce sera ma... Je crois que tu t'en vas, Krios? Tu t'en vas? Des gros bisous à toi, du coup. Bisous, Krios, bisous, Isaac. Bonne soirée. Très gentil. Je suis désolé. C'est Lucifer. Je vends tout le monde en plus. C'est le seul et unique. C'est que j'ai mis ce clic, c'était le pire move. Et là, juste question, vu que Théo. En plus, on allô. A le lobby, je me suis tapé un fou rire, personne m'a calculé. Merde. Personne m'a calculé. Allo. Qui a récupéré la game? Puisque Théo. Ah, Théo est revenu? Bah, Théo est là. Ah, Théo est là, ok. Ça va. Théo, il va pouvoir relancer, alors. Par contre, attention aux imposteurs qui meurent. Si vous voyez que vous avez des quêtes et que vous pouvez plus saboter, faut déco de la game, sinon vous êtes une télécommit. Voilà. Tu connais bien ça, hein. Tu t'en vas aussi, Alpha? Une barre de tâche en plus, les gars. Alpha, tu t'en vas aussi? Oui. Ok, bisous, Alpha. Des bisous, Alpha. Merci beaucoup d'être venu. Des bisous. Ciao. Salut. La bonne soirée. Ouais, Malgade, t'es sûr de te balader comme ça? Ouais, s'il y a quelqu'un qui se renomme Norman, tu vas te faire tuer, hein, attention. Ouais, c'est pas grave. Je peux pas prendre un... Moi, j'aurais rigolé. Et la last. Alors, Thomas pourra... Enfin, Thomas est safe, en fait. Ouais, je confirme. C'est Xeno qui était avec nous, du coup. Xeno, par contre, je suis désolé, je peux pas affirmer que tu es safe. Tils, je crois qu'on s'est fait peur tous les deux. En tout cas, moi, tu m'as fait peur. Bizarrement, c'est Malgat quand il s'habille en petit garçon qui se fait tuer dès le début. Alors, c'est qui ressemble au plus pervers, là? Qui a l'air du plus pervers? Tils, c'est avec moi la main de gauche, il est parti vers la main droite. Et il est là avec moi depuis. Connu, la police. Et il est là, il est avec moi depuis un moment. Il est avec moi depuis un moment, donc ça peut pas être lui. Il m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait me buter parce que on a été tous les deux admin. Il rote admin, je rote admin. Genre, on fait 2-3 allers-retours. Genre, j'ai l'impression qu'il y a un des deux qui cherchait pour buter l'autre. Vraiment. Tu m'as fait peur parce que. Ouais, on s'est fait peur tous les deux, je t'avoue. Tils, je croyais vraiment que t'allais me. En fait, je me dis. Si je peux parler ou pas? Vas-y, je t'en prie.
Tu m'as fait peur surtout. C'est pas là que tu m'as fait peur, c'est surtout que t'es parti direct. Ah oui, je suis parti. T'as fait aucune quête, pas les clés, rien. Je suis parti direct à admin me placer. Ouais, c'est chelou quand même. Et comme je t'ai. Et comme je t'ai revu après admin et tout ça, je fais oh putain, j'ai oublié de faire mes quêtes de début, je suis reparti dropship, et de dropship l'alerte s'est allumée, j'ai refait mes deux quêtes dropship et je suis reparti à gauche. Il est mort où? Il est mort laboratoire en fait, dans le couloir qui mène vers spécimen, enfin. Dans le couloir en gros quand tu rentres par la gauche. Et qui peut safe qui? Bah Thomas et moi on peut se safe en fait dans l'idée parce que on a fait les mêmes quêtes en fait. Nous avons vu le coup de fou. Moi je peux safe Thomas. Ça va paraître sus, mais je suis enfermé dans la drill et j'étais en train de sortir. Et du coup effectivement Thomas. Bah j'étais juste à côté en fait. Thomas a fait le scanner et Xeno aussi. Du coup ça peut pas être tiré sur le kill. J'ai juste une question. Arcanic. Pourquoi un vote aussi passé Théo? Il est plus là, il est. Ah si il est là. Si, il est revenu. Il est revenu au vocal. Il a skip ou il a ses soupçons. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis au niveau d'admin, moi perso. Ah, si ça joue comme ça. Ah oui, oui, bon bah. Bah, tout le monde vote comme il voulait d'habitude. C'est entre. Je vote en premier, donc. C'est entre. C'est mauvais, c'est ça? Le risque de toi? Moi, okay. Je suis très bien. Chaud. Oh putain. Est-ce qu'on vote là? Non. Bah, réfléchis, tu m'as quitté où? Je me rappelle plus. Moi je l'ai vu une fois vers Electric Hall. Ah, Mathéo, Mathéo c'est pas vu, on est d'accord, hein, nous deux. Non, c'est entre. Du coup, sur ce kill, c'est entre Mika et. Mais t'es sérieux là? Diabla te propose du Rocket League après. Mais t'es tout le temps avec moi et tu m'accuses encore. Frère, je t'ai croisé 4 fois. Oui. C'est faux. Le kill à droite, on est tous sus, hein, je suis désolé. Hein. On s'est croisé qu'une fois. On s'est croisé une fois admin et une fois aux alertes. Parce que je sais que j'ai vu. Où est le kill s'il vous plaît? J'ai vu 3 personnes passer à gauche. À droite avec moi. Voilà, on a dit 12 fois où il était, mais c'est pas grave. Mais vous labo. Parlez tous en même temps. Oui. Il est labo, Xeno. Labo couloir. Oui. Labo Xeno à gauche du labo dans d'accord. Le couloir de gauche. Alors il y a Thomas et Lucifer qui sont dessus alors quand. Bah, ah bah oui c'est là que t'as report. D'accord, bah oui. j'arrive dessus au bon moment du report. D'accord. Ça peut être aussi un double kill raté, du coup, alors. Ou pas possible. Bah, vraiment, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Thomas a fait son scanner, il y a eu l'alerte, on est parti à gauche pour l'alerte avec Thomas, il y a Xeno qui était un peu derrière nous, et avec Thomas, ouais. En arrivant dans le couloir, on voit le cadavre. Voilà. Ok. Ça peut pas être un double... Je vais le fumer, je fais en plus pour pas qu'il meure T1 parce qu'il est mort T1 la game précédente, je vais le fumer.
What? Lucifer. Arcanique, tu fous quoi sur... Tu fous... Arcanique, tu fous quoi sur un cadavre sans le report? Tu m'expliques? En fait, si tu veux, là où l'endroit il est mort, c'est le mec, il était juste... Attends, j'ai pas le nom, excuse-moi. Le mec était dans le... Dans le couloir, enfin dans le sas, il était juste passé avant vous. Donc là d'où vous venez, il y a un gars qui doit être venu à l'instant. Il est probablement dans la veine parce qu'avec Cutter on vient de rentrer par la gauche et te croiser donc. Oui, mais justement, je voulais aller chercher le gars, mais. Bah, il est probablement. Ouais, ça m'étonnerait beaucoup de se rester sur le cadavre. Du coup, c'est ça, c'est au privé, mais si t'as croisé le mec dans le sas. Non, j'ai croisé le cadavre dans le sas, mais pas le gars. T'as vu le sas se fermer ou pas? Ouais, je pense. Le sas, moi j'étais à la porte, donc à l'autre porte. Le sas venait de se fermer à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un qui était labo a vu quelqu'un arriver labo près de lui, par hasard? Parce que là, c'est probablement l'imposteur. En sachant qu'avec Cutin... J'étais aux caméras et j'ai vu... Tilix sortir de labo. Il y avait d'abord leur XO et Tilix est sorti après. Tilix est mort. Je sais pas où il est, Tilix. Ouais. Tils, il est pas mort. Il y a un endroit où Tils c'est pas mort. Il est mort au bureau là. Au bureau? Au bureau? Ouais. Près de bureau? Ok, alors c'est Mika. Ah, il a pas de mort au bureau, t'es sûr que tu l'as vu là? Si. Au caméra? Tu l'as vu sur les cams? Non, je suis simplement allé au caméra. C'est qui était avec toi, Mika? Il y a que toi et moi, on est rentré par la gauche, mais il y a aucun cadavre à gauche. Moi j'ai un problème. Il y a un énorme problème là. Je rentre dans, par la gauche dans Office et je vois le bouton report qui s'allume. Donc je m'approche. Enfin, au début, j'ai fait une toile, je me rapproche et j'entre dans la salle de réunion et je vois le cadavre. Je vois une seule possibilité. C'était Xeno, il n'est plus au calme. Je vois une possibilité, Xeno, alors c'est qu'il y a eu un double kill dans admin et on est rentré tous après. Parce que je suis rentré avec Kyota, il n'y avait pas kill nulle part. Bon, c'est facile. Non, je pense que c'est Mika qui est un... Oui, bah oui. Avec Arcanic, il arrive sur le corps et tout ça. Arcanic, il a sur le corps, ouais. On arrive sur lui. Donc, bah, qu'est-ce que pense, tu veux en fait, vous avez tué... Vous avez tué... C'est Lucifer, du coup, qui était dans le sas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous avez tué Lucifer, vous êtes monté, vous avez vu Tilly, vous l'avez buté, vous êtes redescendu en voyant le sas se rouvrir. Vous avez vu Arcane... Je t'assure que non. On est arrivé par la gauche. Sans vouloir foutre la merde, t'es la dernière personne qui a été vue avec Tilix. Moi? Bah oui. Sachant que Xeno vient de dire que je suis sorti... Mais Xeno a dit qu'il t'avait vu sortir de la boue. Oui, mais il m'a aussi croisé la cam. Et voilà. Il m'a aussi croisé la caméra. Tu peux arrêter de gueuler. Stop là. Je gueule pas. Tu fais que hurler depuis une demi-heure. Et puis là où est Mortils, j'ai vu aux caméras, j'ai vu Lucifer y aller, la fontaine à eau, la bonbonne d'eau. Genre, on va dire, je sais pas, peut-être 20 secondes. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Ah, vas-y Théo. Si tu m'as voté alors que genre je suis à. Alors que Xeno m'a vu sortir de laboratoire et on s'est croisé à Cam. Moi je pense pas, mais je pense. Mais moi, en fait, j'essaie d'analyser ce que vous dites en gueulant et en parlant tout en même temps. Désolé. Moi ce qui me pose un problème, c'est Arcane qui reste sur le corps pendant un moment et qui reporte pas. Hein. Même s'il dit qu'il a été voir, il a pas été voir. Il est resté sur le cadavre, Théo. Je t'assure qu'il est sur le cadavre, qu'il a pas été voir la vente. Il est resté sur le cadavre depuis quelques secondes. Je suis déjà passé, mais. Non, je vote Mika. Bah, vous faites une erreur. Ça. Moi je pense que c'est Arcane et que le mate, je sais pas où il est. Ah, je sais pas voir le con. En fait, l'erreur, ça serait justement de me voter là-dessus. Tu penses pas? Après, c'est vrai que Mika, comme on joue pas ensemble, tu sais pas. Hein. Fort probable. À toi de jouer, Kétan.
J'ai vu Arcanic filer. Ah oui, il y a. Hein? J'ai vu Arcanic entrer dans la boue. Moi, j'en sors. Et comme je sais que c'est pas toi, il reste que t'un sinon. Quétin, faut qu'on... J'ai eu peur. Faut qu'on parle. Deux. Trois. Bien vu, bien vu. Quétin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été trompé? Du coup, tu t'es vengé. Explique-nous, Quétin. Dis-nous ce qui s'est passé. C'est plus calme, d'un coup. C'est quoi ce rire là? C'est pas sympa, les gars. On aurait dit le bruit de, du bon, chat dans Rocky et les cafards là, putain. Ouais, un petit peu. On me l'a jamais fait, le. On dirait le rire de, du Diabolo là dans le. Non mais moi je suis, tu vois, moi je suis un petit poète-poète quand je regarde les petits poète-poète pour les chiens. Tu vois, c'est un peu ça. Toi aussi t'adores ça. Toi aussi tu les mets en bouche. Pardon. Allô. Que tu les secoues comme ça, enfin tu les malaxes un peu avec ta langue en même temps là. Bon Thomas, qu'est-ce que tu as vu? Plus que toi. Abrège Xeno, il vient de tout expliquer. Xeno, allez. Ouais. T'as fait ton premier bon move dans la soirée, Xeno. Et c'est contre moi, t'as pas honte, Xeno. T'as fait ton premier bon move de le cam contre moi, t'as pas honte, Xeno. Il me suit autour de la table à deux pour être sûr de me tuer. Je te voulais te défoncer, toi tu me casses les couilles. Toi, je ne peux pas me safe à côté de toi. Mais vraiment sans rien faire sans Okake, c'est forcément Mika. T'es vraiment un connard. Hein. Mon pauvre Lulu. Ça va, Lulu. Quand tu dis, je suis resté toute la gueule avec toi alors que c'est pas vrai. J'aurais pu. Sans faire les clés. Écoute-moi bien, t'es mort. La game à 14, là, deux games de 14, t'as dû en baver, je t'ai croisé trois fois, je voulais pas te tuer parce que t'es mort, je fais encore de l'émotion avec toi et voilà comment ça se fait, bah voilà, la prochaine fois je te tuerai. Je veux pas te tuer TA parce que j'aurais pu vraiment faire la game plus vite. Faire la game plus vite et te tuer et continuer mes kills, mais je voulais pas te tuer, je voulais te garder en vie parce que c'est pas beau d'être tout le temps mort T1, tu vois. Donc je t'ai gardé en vie, mais je le dois pas, je sais que je le dois pas. Non, je voulais jouer, moi j'ai dit que c'est la dernière, je verrai de Thomas. Hop. Vas-y. Bon, bah ça fut mouvementé. Pouf. J'espère qu'il n'y aura pas trop de répercussions. Du mal à ce qu'on s'entende parfois, mais c'est le problème des games à 14 et à 15. Hein. On n'a pas le temps d'en placer une souvent. Le premier round et le deuxième round ne servent à rien. Ils servent à rien parce qu'on est 14-15, le temps que tout le monde fasse son passing. Tu fais ton passing, puis c'est fini. C'est tout simplement fini. C'est bien la preuve que quand il y a eu les 3 imposteurs, le temps que tout le monde dise où il est. Ben, pas fini le tour de vote, et puis tu te retrouves au prochain tour avec 4 kills et 8 joueurs contre 3 impôts, donc c'est infâme. Je sais pas si t'es toujours là, Théo, mais je te fais des gros bisous. Faut pas prendre personnellement ce qu'ils disent comme ça. Je t'aime fort, Théo. Je te fais des gros bisous et encore merci pour le travail de modo que tu fais. Des gros bisous. Beau. Hop. Ok, on est sur la bonne chaîne. Je vous envoie chez Thomas. On se retrouve du coup lundi, puisque l'émission a été annulée. Je vous fais des gros bisous, des très gros bisous, et on se retrouve lundi chez Flying. Bisous à tout le monde, bon week-end.